Salut, je sais pas si Jamet tu es là dans le... Oui, tu es là aussi. Je suis là, parce que par magie j'ai même réussi à changer de bureau. Beaucoup plus sympathique celui-ci d'ailleurs, beaucoup plus grand. Ouais, quand on a de l'argent, on a plusieurs bureaux. De la ville. Ouais, il y a du donut à foison, c'est génial. Écoute, ça me fait plaisir d'être retrouvé en tout cas. Et bien pareil, parce qu'on avait hâte de pouvoir débarrasser la ville de la racaille. Ah oui. Au Karcher même. Je t'entends courir au loin. Je sais pas où t'es, mais je t'entends courir. Ah bah, c'est, bah ah. Salut. Hey, salut. Salut. Est-ce que ça... Ah, t'as pris le latino, c'est vrai. T'as pris Gonzalez, Pedro Gonzalez. Pedro Pascal. Ah, en fait, attends, il faut que je passe sur la scène avec le jeu, sinon on ne comprend rien. On va l'écouter. Pablo Escobar. C'est Pablo. Où qu'il est le jeu? D'où qu'il est le jeu? Ah, t'as perdu le jeu, ça c'est con ça. Mais il est plus là le jeu. Et d'où qu'il est? Oh la vache. Ah oh, voilà. Ben merci, c'est la fin. Ah, non. Audio, jeu vidéo. Bah ben, voilà, il est là. Parfait. Parfait. Oh là là. Que tu es beau. Ben, je sais, t'es pas mal non plus. Bon, c'est quoi la mission du jour, chef? Eh ben, j'ai débloqué plein de nouveaux trucs pendant que tu n'étais pas là. Excellent, bah oui, tu joues pendant que d'autres ne le peuvent pas, et ah ça non. C'est moche. Ouais, mais là, ça, c'est moche. Là j'étais obligé, même si tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas, c'est officer on duty. Alors du coup, j'ai un peu potassé le manuel également. D'accord. Alors, on peut jouer soit full RP, soit je te montre un petit peu d'abord tout ce que j'ai appris. Ah ouais, montre-moi, parce que moi, je suis pas bon pour le RP, hein, je te le dis tout de suite. Ah là, il va falloir que je te montre des trucs que j'ai appris, parce que... Oh, il fait nuit, là. Ah non. Ah oui, alors par contre, cette caserne, enfin, je sais pas où sont les voitures. Ah bah elle est là, la voiture de police. Bah la dernière fois, il y avait pas de voiture de police, et je me suis tapé toutes les missions de voiture à pied. Je crois que en fonction des quartiers, tu peux choisir ouais. Si tes missions se font à pied, si elles sont libres ou si c'est en voiture. C'est ça, ouais. Ok. Alors, déjà, j'ai appris plein de nouveaux trucs, et j'ai appris des trucs que je faisais justement dans toutes les missions que je faisais quand je faisais le GTA RP. Pas conduire visiblement. Non, parce que c'est pas par là-bas, il y avait des portes, je pouvais pas y aller. J'ai appris des trucs que je faisais à l'époque dans GTA et qui donc sont également présentes dans ce jeu. D'accord. Et c'est assez réaliste pour le coup, et notamment les trucs pour arrêter les voitures et ce qu'il faut faire vraiment quand tu fais des quand tu arrêtes des voitures ou quand il y a des fouilles à faire, ce genre de choses. D'accord. La dernière fois, on avait vraiment fait un peu n'importe quoi. Oui, bah ça, on a voulu découvrir sans lire la notice préalable. On dirait mon père qui veut absolument installer une armoire sans lire la notice, tu vois, c'est pareil. Ouais. Sauf que nous, bah, on a une arme à feu, donc on peut tuer des gens en faisant ça, mais c'est pas très bon. Très très bien. Tiens, regarde, là, déjà ce qu'on va faire, c'est que là, voilà. Alors par exemple, tu vois, il y a un truc qu'on peut faire. Alors je sais pas si tu vois, quand moi je pointe comme ça, tu vois quelque chose ou pas? Tu vois que pas je pointe? Enfin, je le vois sur l'autre écran. Ouais. Du coup. Mais oui, ça, j'avais vu ça. Donc tu vois, tu peux pointer. Donc en fait, c'est ton intuition, ça, en fait. Les personnages, ils ont une espèce d'intuition de flic. D'accord. Que tu peux utiliser en clic gauche. D'accord. Et en fait, tes intuitions, ils te permettent de voir plein de choses. Ils te permettent de voir si les plaques sont expirées sans avoir même à regarder si la plaque d'immatriculation est expirée. Ouais. Ils te permettent de voir si quelqu'un est sans l'alcool ou tremble ou des trucs comme ça quand tu fais des fouilles. Enfin, avant les fouilles, quand tu fais les arrestations. Parce que par exemple, tu vois, cette plaque-là, ce que je te disais la dernière fois, c'est que sur cette plaque, bon, là, il y a le petit macaron 21, donc ça veut dire que la vignette en fait expire en 2021, donc c'est bon. Okay. Tant que c'est dans l'année où on est, ça va. Donc okay. Là, 2020, ça va jusqu'à la fin de l'année, il n'y a aucun souci, tu vois. Après, t'as le, le mois à côté. Juste, je fais une parenthèse, si je sors pas, c'est pas que j'en ai pas envie, mais visiblement, je ne peux pas. Alors, soit c'est parce qu'ils considèrent que je suis trop près du parc-mètre. Il y a un parc-mètre. Mais je n'ai pas la possibilité de sortir. Oh, dis donc, il est emmerdant, lui. C'est bon, là. Et voilà, là, c'est bon. Ah, là, c'était tellement réaliste que t'étais vraiment bloqué par un parc-mètre. Donc tu vois, je suis vraiment en train d'entraîner le rookie de l'académie, quoi.
Alors bon, bah là, de toute façon, valide. Alors un truc, Ah bah je me suis trompé. Oh merde. Oh, t'as mis un... Un réflexe. Attends. C'est pas... Ah, je me rattrape. Je me rattrape, chef. Parce que là, il est juste sur le trottoir. Alors, faut bien regarder aussi. Là, on le voit pas, mais sur certaines plaques, c'est marqué taxi, comme je t'avais expliqué la dernière fois. Ah oui, d'accord. Et donc, il y a des voitures avec un petit panneau Shift. Et en fait, Shift, c'est la marque Uber de cette ville. D'accord. Donc, ce sont considérés comme des taxis aussi. Donc, ils ont le droit de Donc stationner. ils peuvent se garer, ok, très bien, sur les emplacements Ouais. taxi. Alors, il y a plein. Après, je vais te passer des détails sur quand Donc t'es. juste l'hôtel a acheté son truc là, je vais lui faire un petit rappel à l'heure. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Attends, Madame, je vais lui allez. mettre un coup de matraque dans les genoux. On sait jamais. Attends, je la maintiens en joue en attendant. Tu vas te manger une prune, hein. Je te le dis tout de suite, je l'ai eu l'autre fois. T'as une pénalité. Alors. Moins 20. Non, non, on n'a pas le temps de chercher des individus recherchés. On s'occupe d'une dame qui a traversé la route. Elle a toujours les mains en l'air, hein. Ah, Ça pardon. l'a pas rassurée. Attends, Je pense qu'elle n'oubliera pas la prochaine fois laisser d'ailleurs. partir. Have a nice day. C'est bon, merci, excuse-moi. Elle se recoiffe du coup. Elle fait semblant qu'elle avait rien vu, elle se recoiffe. Elle fait... Non, non, mais en fait, C'est j'étais bon, en train c'est de. bon. Non, mais j'ai pas du tout eu peur. Tiens, lui, il a pas payé. Hop. Enfin, stationnement. Et je suis. Ouh, dis donc, et ça roule vite dans ce quartier là. Attends. Oui, c'est vrai que Attends, voilà. attends, attends. Là. Je vais me foutre là. Oh, lui, par exemple. On pourrait. Wow, 45 là. Oh, c'est dommage, je l'ai pas eu. Oh, ben il y a surtout la plaque. Là, la. Comment on Ouais, appelle ça ça? fume là. Attends, lui, je pense qu'il va trop vite. Ah, il s'arrête quand il voit, salaud. Bon, bref. Donc normalement, je peux lui. Ouais, par contre, il faut le stopper avant. Ouais, voilà. Oula, oula, Oula. oula. Oh bah, vous avez de la chance, madame. Allez, Bon, on circulez. accepte. Alors, ça, j'en ai jamais fait encore. Hein. Donc, là, ça va Accident être grave. Giro. J'espère qu'ils sont pas morts parce qu'on c'est un peu long. Alors, tu sais qu'on perd aussi des points de. Des points. Si on traverse les feux et tout ça sans avoir les gyros allumés, tu vois. Donc il faut vraiment D'accord. respecter le code de la route quand t'es pas en intervention. Donc ça, par exemple, j'ai le droit de faire là. De rouler comme ça à gauche, tout ça, j'ai le droit. Vraiment n'importe comment. Je ne perds pas de points, tu vois. Ah, on sent qu'il y a plus de maîtrise de la voiture que la dernière fois quand même. C'est pas faux. Oh là, Wow, wow, non, mais... j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah non, mais il y a une plaque de verglas là, c'est pas de ma faute. Ah bah ça doit être là. Alors. Coupe Alors. les sirènes parce que sinon on va nous faire chier. J'ai aussi vu comment on fait en intervention. Normalement, le premier truc qu'on doit faire là, c'est prendre des photos. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, les trucs qui sont par terre, genre là, il y a une... Une plaque. Ouais, il y a des plaques, il y a des rétros, tout ça, il faut les prendre aussi. Ça nous ramènera des trucs dans le rapport d'intervention à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre en photo là? Il y a encore des trucs. C'est un de ces bordels. Donc on est d'accord qu'avant de se savoir si tout va bien ou tout va mal, les mecs prennent en photo. Ouais, C'est la non, mais. priorité, c'est de prendre des photos, d'accord. Je sais pas, j'ai vu ça dans un tuto, mais je trouve ça un peu pété quand même. On Et n'a là, pas le même sens des ça se priorités, voit quoi. qu'il y a personne qui est. Bah, vous êtes blessé? Non? Bon, bah voilà. Ah, il y a trois bagnoles, quoi, c'est ça là, pour l'accident là. Ouais. Excusez-moi, bonjour madame, photo. Attends, je me mets à côté d'elle. Je lui mets les bras sur l'épaule. Elle est largement. Attends, elle est largement plus grande que toi, hein. Ah oui! Oh, dommage, t'as bougé. Ah, c'est flou! Mince. Non, mais t'as bougé au moment et t'as tapé une pause. Ok, donc là on a pris les photos, parfait. Voilà, j'ai pris par terre, tout ça c'est bon. Ok. Alors maintenant, bah, on peut discuter. Et il y a l'ordinateur de bord. En fait, l'ordinateur de bord, c'est donc le dispatch. Donc tu as l'ordinateur de bord quand tu as la voiture, mais tu peux l'utiliser aussi avec le M, avec bouton M, je crois. Et ça, c'est le dispatch. Et en fait, il y a vraiment le truc de dispatch, comme je pensais. En fait, quand tu discutes avec des gens, que tu prennes leur carte d'identité, ou alors que si tu vises sur des plaques d'immatriculation, genre celle-là, il me dit qu'elle est périmée, tu peux les retrouver dans le dispatch après. Donc là, par D'accord. exemple, si tu fais M, là j'ai visé une plaque d'immatriculation. Si je fais M et que je vais dans le deuxième onglet historique, là, je vais avoir la plaque d'immatriculation et il va me dire statut d'assurance invalide, déclaré comme volé, oui.
Donc je sais que le Ah. véhicule 8OLK59, il revient voler. Et c'est 8OLK59, je me demande si c'est un qu'on vient de faire là ou c'est ceux que j'ai fait tout à l'heure. Ah merde, c'est peut-être un qu'on a fait tout à l'heure. Du coup, il y avait un véhicule Ah. volé, ceux que j'ai visé tout à l'heure au hasard. Donc là, on peut peut-être lui parler Ouais, déjà, on peut ça. parler par contre. Alors, c'est quoi? C'est interroger les témoins. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que si jamais tu vois, ton instinct voit que elle tremble ou des trucs comme ça, là, t'as le droit de commencer à faire une palpation. D'accord. Ça fait partie des suspicions raisonnables. Tu parles avec elle là? Ah, c'est bon, Elle je a peux. pas l'air de trembler. Par contre, elle a dit que Ah, je peux le parler aussi. mec au t-shirt rouge a tourné d'un coup. Ok. Subitement, pour être précis. D'accord, bah, je vais discuter d'abord avec le. J'étais dans la lune et j'ai oublié de mettre mon clignotant avant de tourner, je suis désolé. Ouais. Et il confirme les dires de la personne. Par contre, elle n'a pas d'assurance, elle. Ah, ça c'est pas bien non plus. Donc moi déjà j'ai le suspect qui confirme. Il me présente son permis de conduire qui n'est pas Elle regarde expiré. sans cesse aux alentours. Ah. Tu peux faire une palpation, je pense. Ça fait partie des indices en gros. Permis de port d'armes, non. Et aussi un truc qu'il faut vérifier, c'est quand il te montre sa carte d'assurance, il y a une donc à l'expiration dessus, donc ça c'est bon, chez moi c'est bon. Et il y a une plaque, cette ZX462, il faut vérifier que c'est bien la plaque évidemment. Ça sent l'alcool. Ah. Attendez, restez ici monsieur. Cette ZX462, c'est bien la voiture là qui est assurée, mais la plaque est périmée. Et en plus, ils sentent l'alcool. Oh là là, et en Donc plus, là, ils il a ont. considéré que je pouvais pas fouiller la voiture. C'est ça que je Non, comprends t'as pas le pas. droit de fouiller la voiture. Ok, bon, elle avait un stiletto sur elle. Attends, parce que moi j'ai. Oh putain, il titube en plus. Attends. Moi j'ai un gros problème là. Déjà, c'est que lui. Alors, première infraction, déjà, sa voiture n'a a une plaque expirée. Ah, donc là, l'autre personne dit la même chose, c'est qu'il Ouais. a pas mis son clignotant. Donc moi il a la plaque expirée, mais par contre je vais quand même lui faire un test d'alcool parce que là il est clairement complètement défoncé. Et je pense que ça va revenir haut. Ouais, il a 0,17. Normalement c'est 0,08. Là il a 0,10. Donc il est à 107 quoi. Donc du coup là c'est clairement voilà. Je vais quand même lui faire une palpation parce que il est pas serein. Petite balle, collation. D'accord. Bon, par contre, clairement, clairement, c'est une arrestation, hein. Alors, par contre, fausse pièce d'identité, non, défaut de permis de conduire, fausse plaque d'immatriculation, voiture volée. Non, je crois que la voiture n'est pas revenue en. Je vais quand même checker que la voiture n'est pas revenue en volée. En plus. Il est où, c'est lui. Ouais, c'est pas en... la statue, la voiture n'est pas enregistrée. Mais c'est tout. Et l'autre madame a un Elle a statut. un défaut d'assurance. Ouais, elle aussi elle a un défaut. Elle a un défaut de plaque, celle d'à côté là. Sa voiture n'était pas enregistrée apparemment. Bah du coup lui je vais quand même me noter hein. Sauf que le problème c'est que je peux pas me noter pour alcoolémie. Ah bon? Bah Comment tu fais bah, alors? je comprends pas. Narcotique. Ah c'est dans narcotique, ouais pardon. Conduite en état d'ébriété. Apparemment, il manque un truc pour avoir le procès-verbal complet. Ouais. Alors Qu'est-ce du qu'on a coup. oublié? Alors ce que tu peux faire c'est faire un test d'alcoolémie sur tous les personnes. Même ceux. Ça pas Sans apparemment c'est justifier. pas. Ouais, c'est pas. Et alors j'ai lu un truc mais je sais plus c'est quoi le niveau, mais genre t'as le droit à 10 à 10 onces de cannabis dans la ville. Je sais pas, c'est 10 Ah, onces ou un truc d'accord. comme ça. Ouais, parce qu'il y a une partie des États-Unis qui. Ouais, Ouais. elle a 001, donc ça c'est bon. Ok. Attends, bah je vais faire celle-là. T'avais déjà vu tous les trucs pour elle? Ok. J'ai peut-être loupé, hein. Bon, attends, je vais au moins lui faire un test de dépistage d'alcoolémie.
Mes stilettos, ils ont le droit d'avoir ou... Bah c'est des chaussures, non? Ah, le processeur allait complet, tu vois, c'était ça. Ah d'accord, ok. Donc je me posais la question. Donc du coup on peut faire le... Du coup là on peut faire un processeur val. Et apparemment tu peux en faire sur chaque personnage. Ouais, La dernière fois c'était vraiment de la merde quand tu sais quand ça avait tout foutu en l'air que j'avais fait là, je sais pas pourquoi. Ouais, par contre la dé... Il faut pas tous les... Ah bon? Ah parce qu'il y en a qui peuvent repartir avec, hein. Celle-là elle est pas explosée. Tant que ça fume pas noir, tu peux les faire repartir avec. Ah bon? Bah c'est les deux que je vais faire partir. Donc le van qu'il faut faire repartir, je l'ai pas fait repartir. Le van il fume noir? Non. Ah, il fume le van. Ouais, ça ira. Par contre, celle-là, bah, il faut la faire repartir. Parce que celle-là, de toute Attends, façon. je peux. Attends. Oh, bah, celle-là, elle doit pas. À mon avis, elle va partir, celle-là, parce que je peux rien faire avec. Ah ouais, bah c'est trop tard. Elles sont toutes. Ah non. Attends, c'est lequel là? En fait, tous les remorquer. Bah, lui, par contre, il faut qu'il. Ouais. Donc la prochaine mise à jour, tu pourras mettre les gens à l'arrière de ta voiture. Ça va être cool. Ouais, ce que tu disais la dernière fois, ça c'est cool de pouvoir les emmener et tout. Ouais, en gros, pour résumer un peu les rapports d'intervention quand c'est des accidents, ou quand c'est des arrestations en voiture et tout ça. Donc en gros d'abord, ouais, tu discutes avec tout le monde. Donc tu prends les photos, tu discutes avec tout le monde, dans l'ordre que tu veux. Ensuite, tu peux faire un test apparemment d'alcoolémie pour tout le monde. Encore D'accord. plus si t'as une grosse suspicion. Pareil pour la drogue. Non, je crois que tu peux faire pour tout le monde et encore. Et en général, moi je le fais pas, mais je le fais quand il y a des suspicions. S'il y a de la drogue, tu peux aussi fouiller la bagnole. Juste côté passager et l'arrière quand c'est un pick-up, tu sais, quand l'arrière est visible. Quand tu peux Oh ouvrir l'arrière. vache. Ah, Sinon, ça tu faut peux le pas. savoir. Ouais, non, bah j'ai lu le manuel. Hein. Et ensuite, tu peux palper. Quand il y a regard fuyant, tremble, sueur, machin, tu peux faire test d'alcool ou de drogue quand t'as les yeux rouges, ou quand ça pue l'alcool comme j'avais moi. Et ensuite, tu peux faire fouille quand par contre là t'as des suspicions de. Quand c'est un mandat d'arrêt, quand c'est une voiture volée, D'accord. ou quand t'as des suspicions de trucs illégaux sur lui, genre bah, quand t'as le truc de drogue qui revient positif. Ce genre de choses. D'accord. Et voilà. Et après, du coup, tu tôt les voitures. Enfin, tu t'appelles les dépanneuses pour les voitures quand c'est des voitures qui peuvent plus rouler ou quand t'as bah, du coup arrêté le suspect et qu'il n'y a plus personne pour repartir. Ok. Voilà, Du coup, en la gros. camionnette, elle arrive pas là. Ouais, si, mais comme il y a du monde, je sais pas, elle doit être coincée derrière quelque part là. Il y en a un qui fume bien là-bas aussi, hein. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est là? Ouais, c'est là. Attends, j'ai bougé la voiture. Alors du coup... Alors, il vient le transport là? A pas fait beaucoup de points là sur la mission. Annuler l'appel de renfort, bah non. Bon, il va rester là, hein, il va attendre. Et tu vois, je voulais... Ah oui, Ah il bah est du coup quelque part on fait là-dedans. su avec notre voiture. Il est où le transport? Ils peuvent passer là, Ah, il pourquoi est ils là. avancent pas lui? Pourquoi il avance pas? Avance! Attends, je vais le menacer avec une arme. Non. Depuis tout à l'heure, tu essaies de me dire qu'il faut faire les trucs sérieusement et maintenant tu veux menacer les gens avec une arme. Il est fou ce mec. Mais c'est sérieux? Je le menace sérieusement. Bon bah tant pis, hein. On va pas attendre 10 ans. Allez. Bon, merci monsieur. Passez une bonne journée. Merci pour votre... Merci. Restez là, hein. La camionnette va arriver, hein. Ne vous On inquiétez va venir pas. vous chercher. Vous en faites pas, les collègues sont un peu lents, mais ils sont là. Et donc ouais, le truc c'est que... Ah ça y est, on est sorti de l'accident. Oh là là. Attends, j'ai le blip. Je vais le blip celui-là, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'arrête tout seul ce con? Oh, je pense qu'il est bourré. Quand ça roule comme ça... Ah non, c'est parce que j'ai les lumières, j'avais pas vu. C'est bon, il s'est arrêté là? Ok. Il s'est arrêté? Attends, je le fais vraiment. Monsieur, bonjour. Papy, d'accord.
Véhicule a grillé un feu rouge. Ouais, mais bon. Je veux d'abord lui péter sa gueule, lui. Il cherche une place pour se garer, mais il roule n'importe comment. Attends, je vais enlever mes feux. Parce que l'IA est un peu claquée au sol quand elle a les feux. C'est clair. Allez, vas-y. Surtout qu'il ne peut pas se garer. Faut que je le pousse? Faut que je te pousse? C'est ça, faut que je te pousse? Putain, c'est pas possible. Ah, il y a le transport qui a pris le notre collègue. Ah, quand même. Ah, mais je crois qu'il... Il est bloqué, lui. Hein. Bon, ça ira pour cette fois, monsieur. C'est bien parce que ouais, l'IA est cassée. Hein. Circuler, rien à voir. Comment ça va m'emmerder, hein. Oh, un vol. On n'a pas fait ça. Oh. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Derrière nous. Par toi. Dans une petite musique des familles, là. Pimp. Oh là là. Les Hunter. Avec Didi McCall. Oh là là. Rick Hunter, Inspecteur Choc. Avec Hunter, si c'est pas faire, je veux te dire. Ah là là! Mais barrez-vous là! Comment voulez-vous qu'on agisse pour le bien et la paix? Alors qu'est-ce qu'on doit faire en cas de vol? J'en ai aucune idée. Super. C'est les nouvelles missions que j'ai débloquées. On y arrive. Ah, c'est de l'autre côté. Poussez-vous. Poussez-vous, j'ai dit. C'est pas ma faute. Ah, faut freiner. Il y a pas de dérapage dans le jeu, hein, je rappelle. Oui. Tout à l'heure, t'avais réussi un peu. Hein, ouais, là, c'est la plaque de verglas. C'est pas un franc succès non plus. Ah, j'ai réussi. Attention. Ah, y'a personne en fait. Je suis arrivé sur la scène de crime. Je suis arrivé sur... Madame, laissez faire la police. Oui, bonjour. 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 C'est ici qu'il y a eu un vol? Ah, c'est peut-être la petite dame là? Non, c'est un monsieur, pardon. Alors. C'est Yel. Je prends les papiers d'identité, alors je ne sais pas ce qui se passe. Bonjour. Moi, ce que vous avez vu. Ah, il connaît la personne. Oh. Ah oui. Moi, il a juste une carte d'identité expirée, mais bon, je vois pas le rapport avec. Alors, j'en sais assez pour l'ancienne recherche, mais je pourrais interroger des témoins encore présents pour plus d'informations. Okay. Ah bah Nelson Gabriel, mais c'est celui que je viens de. C'est le mec à qui je viens de. Attends. Attends, je crois que c'est le mec à qui je viens de demander la carte d'identité. Ah, c'est pas lui. Personne est noir. Non, c'est pas lui alors. Ah non, Olivier Carter. Nelson Gabriel. Ok, monsieur. Est-ce que vous avez vu quelque chose, vous? Parce qu'on sait jamais. Je sais de quelle couleur étaient ses cheveux. Et donc ils étaient de... Donc du coup... D'accord. Il m'a dit je sais de quelle couleur étaient ses cheveux, mais il m'a pas dit quoi. Donc c'est dans la zone, visiblement. Bon, ça ira pour l'infraction que vous aviez sur votre carte, là. Ouais, non, non, mais attends. C'est dans la zone? On a une zone? Apparemment, ouais, on est dans la zone. Ah, c'est tout, on a que ça. Ah, T'as interrogé les deux? Oui, oui, il y en a un qui m'a dit qui c'était, Nelson Gabriel, et l'autre m'a dit qu'il était noir, donc bah, je pense et qu'il... Et moi, j'ai l'autre comme qui... De la photo, hein. L'autre m'a dit, j'ai... Je sais de quelle couleur sont ses cheveux. Et il m'a pas dit quoi. Bon. T'es dans la voiture là? Non. Non, non, je fais à pied. Sur le toit en voiture, c'était une galère. À la zone, c'est où on est en fait? Complètement. Ah oui, donc. Ah si, après, faut peut-être rentrer sur la place. Ah oui, pareil, ton intuition, tu peux l'utiliser du coup. Tu fais clic gauche, oui, sur une personne quand tu penses que c'est elle. Ouais, clic gauche. Et en la zoomant, en la visant. Et si c'est lui. Ah, je crois que je l'ai trouvé.
Tu sais que je te vois même plus ça sur n'est mon pas lien. lui. Super, d'accord. Donc je ne l'ai pas trouvé. Ah, parfait. Ah, attends, deuxième essai. Il s'enfuit. Oui, c'est Merde. lui. C'est bon, je sais où je suis. Enfin, il s'enfuit, mais il est au téléphone. Hein. Donc de façon Il tranquille, voilà. s'enfuit au téléphone. Alors, du coup, comment je fais maintenant pour l'arrêter? Alors, tu peux le pointer avec une arme. D'accord, donc lui il me dit je me prends 20 points pour les piétons, super, Ah bah merci oui, du t'as pas conseil. visé la bonne personne. Arrête-toi, arrête-toi. Et je me reprends encore 20 points. Donc c'est pas. Tu peux pas. Ah mais moi Ah oui, mais. avec le taser, hein, Bah oui, mais super, tu me dis que ton arme. Ton arme de service, collègue, enfin. Tu ne connais pas le manuel de J'ai procédure. 45 points. À cause de toi, je vais me taper des grosses pénalités là. Oh le relou! Alors du coup là ce que je peux faire moi c'est le fouiller. Normalement, alors je voudrais le faire l'inverse, mais je crois que quand tu le menottes, tu peux plus le fouiller après. Donc je suis un peu dégoûté. Oui, c'est oui. Parce que dans, par exemple, dans le GTA RP, d'abord si tu devais fouiller les gens pour pas qu'ils te sortent un couteau quoi. Collier volé. Bah voilà, un collier volé. Est-ce que je peux le menotter pour un truc dans le genre? Lieu du délit. Vol. Ah ouais, c'est ça. Lieu du délit. Pas compris pourquoi, mais enfin bon. Est-ce qu'on peut lui mettre des gros coups de tatane après? Est-ce qu'on peut l'amener au poste? On prend des bottins. Et on lui met des gros coups sur la Dites-moi la tête. vérité! Bah, je vous l'ai dit, vous m'avez même trouvé un collier sur moi, qu'est-ce que je vous dise de Ça ne plus? suffit pas! À la fin, le mec, tu l'as fait avouer kill Le braquage, je crois. Pentagone! C'est moi à l'attaque du Pentagone! La C'est seconde moi! guerre, c'est moi qui C'est l'ai moi! Les déclenché! Panama Papers, c'est moi! Les Wikileaks, c'est moi! Bah c'est tout, hein. Je crois qu'on a que ça à lui faire. Ah si, tu peux le fouiller. Bah la dernière fois il voulait pas, tu peux le fouiller après. Bombe. Ça va assez vite pour ce genre de truc. Et oui, donc les points SP et CP. Donc les points d'SP c'est les points de je sais plus quoi, mais c'est les points bonus en gros. Et CP c'est les points de conduite, c'est les points malus. Bah oui, merci. Mais non, mais je pensais que c'était genre deux points différents, genre les points de conduite et les points de je sais pas quoi. Mais en fait c'est juste bonus malus quoi. Ouais. Bon, il vient le. Ah! Ah, c'est toi qui. Oui, bah, tout le monde! Elle reste avec le suspect! Eh, tu vas te calmer, oui? Ça se trouve, tu vas te prendre des points parce que tu me menaces. Non, par contre, je t'ai tiré dessus, mais ça a pas marché. Pourtant, il n'y a pas de fenêtre. Oui, je sais, t'es à côté de moi, pas besoin de. Range-toi dans la voiture, toi, au lieu de rester au milieu, là. J'attends que le monsieur prenne. Voilà. Ah, oh! Oh! Ouh! Elle est où? Ah bah, je suis. Ah, c'est magnifique. Je me suis fait expulser, mon pote, mais laisse tomber. Attends, j'ai Coup eu de chance, j'avoue. Ah ouais, mais par contre. Ah non, je suis dans le bâtiment, en fait. Je suis littéralement dans le bâtiment. Ah, est-ce que je vais pouvoir sortir du bâtiment? Attention. Eh bah non, ce véhicule n'a pas utilisé son clignotant. Ouais, mais moi je suis. Bon, je vais aller au. Ah bah oui, je crois que c'est. Et t'as la chance de pas être dans le. Je te promets, j'ai fait un de ces sauts avec la Ah bah, bagnole. j'ai vu, j'ai vu. Par contre, du coup, tu vois, tu râlais que j'étais pas dans la voiture. Voilà, voilà pourquoi j'y étais pas. On n'est jamais trop prudent. Ah oui, je vois la voiture où elle est. Sur mon radar. C'est par là-bas? J'ai l'impression d'avoir un vol hack. Ouais. Et dans la scène Est-ce e-sport qu'il de Police Simulator, ça serait interdit. Ah ouais, ce serait. Et je sais pas s'il y a un. Comment on appelle ça? Ah, on peut ouvrir le coffre de la voiture du coup. Oui, ah oui, au début, quand t'es de nuit, tu peux ouvrir le coffre pour prendre des fusées éclairantes. Comme ça. Ouais, il est marqué recharger les outils aussi. Ouais, ça c'est quand t'as pas assez de. Quand t'as tasé trop de monde. Après avoir tasé une dizaine de personnes, Johnny décida d'utiliser la recharge de son véhicule. C'est à ce moment-là que l'invraisemblable se produit. Brandon s'empare d'un bâton et devient totalement incontrôlable. Ah oui, non, je peux littéralement traverser le bâtiment. Je peux pas en sortir, mais vraiment, je Ça peux doit être cool. En traverser. tout cas, j'aimerais Ah, bien par contre, savoir. ah bah, il y a une autre personne qui est coincée dedans. D'ailleurs, en Il est là. petite tenue. Il est là depuis 10 ans. Non, mais je te jure, il y a une là qui est en robe rouge. Je vois pas très bien. Comment c'est déjà la lumière, rappelle-moi? Lumière. La lampe, Ah, torche. faut le sortir avec tab. Ah, je vais pas avoir le temps. Ouais, dommage. C'est dommage, tu voulais voir la dame en petite tenue. Exactement. Non, mais pour m'assurer qu'elle allait bien. Évident.
Tintin. Voilà, j'ai l'impression de pas avoir progressé dans ma carrière à cause de ces conneries. Chut, je suis sûr que j'aurais pu passer Oh, ça étoile va. 5. T'aurais pu passer Ouais. commandant. Est-ce qu'on se prendrait pas une journée de congé? Je sais pas où on Et en est là. c'est On a quoi fait faire? 3 sur 5 patrouilles. Ah. Je sais pas à quoi ça sert en vrai. Je crois que ça remet à jour toutes les. Ah, Tous les d'accord. trucs. Attends, je vais tester. Prendre une journée de congé. On a voiture, piéton, piéton, voiture, voiture, ok. Ah non, ça a rien fait. Ok. Ah, ça nous fait du bien de temps en temps de prendre une petite journée de congé. Ouais, je joue à GTA du coup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Le de nuit. On va tester un petit peu de nuit. Je sais pas c'est quoi ça, le truc libre. Parce que tu peux jamais le sélectionner en fait. Peut-être parce qu'on n'a pas. Non, mais c'est pas en jaune, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas possibilité de le faire pour l'instant, je pense, Mais tout à chaque fois simplement. les trucs libres, il veut pas. Tant pis. Et je me demande si ça c'est aussi des quartiers que tu déverrouilles. Je pense que oui, ça a l'air d'être dans d'autres quartiers quand même tout ça là. La map a l'air beaucoup plus grosse que ça. Avec quand même pas mal de trucs au sud. Appel arrêt de véhicule, d'accord. North Point. Bon, full RP cette fois. Rien à foutre. Ah, j'ai oublié de changer la durée. Tant pis. On va pas en faire beaucoup de nouveaux. Bonjour collègue. Bien, bonjour. Je m'appelle Michel Patulacci. Agent de la paix. Mais agent de la paix avant tout. Je vous prie de vous installer au poste susnommé à côté du véhicule. Ah, Oh, attends. mais il est ma foi bien agréable votre véhicule là. Merci, Il est c'est fou. une Ford Crown Vic de 1997. Il est full opposition. Je prends les fusées éclairantes. Ah oui, parce que dis donc, le soleil commence à se coucher, à se décliner. Mais on a à Brighton, pourquoi on a cet accent? Parce que je viens pas d'ici, moi, Moi, monsieur. je viens J'étais de. dans la Je France, viens de et pas là. Blagnac. Suis pas du tout du secteur. Mon collègue il m'a dit tu vas être muté, j'ai pas compris que t'étais en dehors de la France. Je suis du sud, mais vraiment du sud de Brighton. Vous connaissez Aix-en-Provence. Je vous avoue que c'est pas là, tout à fait le même type de police. Hein. Je suis un peu surpris quand la première fois j'ai dû tirer sur deux personnes Mais parce qu'elles ont commencé à courir. Ça m'a fait il leur une manque pas drôle des d'impression. il leur manque pas des phares, c'est con là. Comment tu vois ça, toi? Bah j'ai cru que j'ai l'impression qu'ils avaient un Devant, peu tu veux dire? pété. Ouais, attends. Ouais. C'est juste pour Ah, passer devant. lui. Ah, oui, exact. Il manque un phare, lui. Oui. Mais j'ai toujours pas compris comment on les faisait. Bah il faut les blips, donc R quand t'es en bagnole. Comme ça. Non. Non. Non, le monsieur il a un phare cassé. Attends, mais il s'est pas arrêté. Hein. Ah si, il a trouvé une place de parking, d'accord. Tiens, je vais me mettre là. Bonjour à monsieur. Alors je vais te montrer la procédure normale. Oh, c'est une charmante demoiselle. Bonjour madame. Alors elle a trouvé une place, mais pas apparemment non, puisqu'elle s'est pas arrêtée. Merci beaucoup. Le jeu a un peu de mal, hein. Il y a un peu de mal avec ça, Alors visiblement. en vrai, non. D'ailleurs, ils vont le changer dans le prochain update. C'est que justement là il faut vraiment que le véhicule trouve une place. C'est-à-dire que Ah oui, mais si bon. s'est arrêté au feu ou un truc comme ça, c'est pas une place, donc il s'arrête pas. Le jeu pour la prochaine update, Mais tu... Ouais. ce sera à partir du moment où il sera blip, il se mettra sur la voie de droite, même s'il n'y a pas de place de parking, et voilà, tu pourras les arrêter. Mais tu vois, s'ils font une update, ça veut dire que le truc déconne, visiblement. Ah oui, non mais c'est juste qu'ils ont pas pensé à ça au début, c'est pas que ça déconne, c'est que c'est Oui, mais du programmé coup, on comme peut ça. rien faire, c'est ça que je veux dire. Ben il En faut fait, on attendre. est bloqué. Non mais il faut attendre. Normalement là le feu est rouge. Dès que le feu va passer au vert, elle va redémarrer. Normalement. Donc Ah, donc là, le voilà. feu est vert. Allez. Bon ok, bah ça marche pas. Tu vois, elle est en warning.
Ah, mais normalement, si elle est en warning, on devrait pouvoir lui parler, là. Allô? C'est un véhicule à grille à feu rouge, Est-ce qu'on d'accord. pourrait pas l'utiliser le panneau stop? S'il vous plaît, madame. Veuillez suivre la gendarmerie et C'est rouge pour l'instant. la maréchaussée. Je m'en fous, c'est la maréchaussée qui vous dit de briller le feu rouge. En plus, vous roulez avec des écouteurs sur les oreilles. Non, mais sérieux. Je vais la pointer avec mon arme, c'est pas possible. Tu vois, pareil, il y a marqué interagir sur le véhicule, mais hormis le fait de regarder le véhicule, tu peux rien faire d'autre. Mais Ah t'as. non, je regarde même. Ouais, Ouais, tu t'as vois. rien. Hein. Je sais pas. Non, je pense que le. Scène de coups et blessures. Bon, Alors, vas-y, ok. on y Ah, on va. l'a pas fait ça aussi. Allez, c'est parti. C'est à droite. Je regarde l'ordinateur de police pour l'instant. Pas très loin. Ouais. C'est pas sur une voie. Faudra rentrer dans un petit truc apparemment. Attention. On continue, c'est un peu plus loin. Hop 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 hop. Oula, c'est dans les. C'est dans les choux. J'ai Counter et Titi Macaulay sont arrivés. C'est ici? C'est dans le coin là? Oh Ouh là là, là ouh là là, ouh là 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 là! là. Oh là 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 là! Et on regarde ça tweet, regarde ça prend des photos, ça tweet. Ouais, bah voilà. Oh là là. Je fais assistance à personne en danger. Je vais parler avec la madame. J'appelle une ambulance. Toi tu prends des Je prends photos. des photos comme si c'était une scène de crime, mais visiblement ça change rien. Je m'en fous, je prends des. J'appelle les ambulances pour tout le monde. L'ambulance est déjà en route. Ah oui, donc faut le faire une seule Bon, lui fois. il me plaît pas. Je suis un peu con. Alors, je peux pas lui parler, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu la dame? Je sais de quelle couleur étaient ses cheveux. Mais elle va pas me dire de quelle couleur ils étaient. Ah oui, Ah, il lui, connaît la personne. il sait pas les. Ah ouais, c'est toujours les mêmes trucs en fait. Vas-y, montre à quoi elle ressemble. Dernier témoin. Ok. Je suis assez informé. Ah bah, ok, donc c'est lui. C'est vrai? C'est qui quoi Ouais. hein? Est revenu sur le lieu du crime? Arrêtez-vous! C'est. Ah oui, c'est Noah Davis qui ne l'a pas gagné. La coupe. Alors mon petit monsieur, on a essayé de s'enfuir pour coups et blessures. Ça pourrait être lui. Tu vois, je l'ai visé là, il dit ça pourrait être lui. Il porte un Toi, gilet. cran d'arrêt, concombre. Ah, ça, c'est pas Un très très bien. concombre, monsieur, qu'est-ce que vous alliez faire avec ce concombre? Posez Qui tout de bah suite là. ce concombre au sol. I'd like to see Doucement. your ID, please. Here, officer. Fais pas le mariole. Ouais, fais bien gaffe, hein. Je sais où t'habites, moi. Il a les mains tuméfiées. Oh, bah il s'est battu. Potentiellement, pourrait-il s'être battu? C'est pas vrai en plus, il a pas les mains tuméfiées. Bah du Tu coup veux que je je mette un peux chassé lui derrière les genoux là pour qu'il se mette à genoux? mettre du délit du coup à coups et blessures. Ouais. Eh oui. Tu l'as fouillé? Oui, tu l'as fouillé. Ouais, je fouille. Où est votre véhicule? Je veux fouiller votre véhicule aussi. Je vais voir si les. Je vais voir où en sont les personnes blessées. Parce que l'ambulance est toujours là. Elle n'a pas bougé d'un poil. Ah, mais ils sont encore en train de s'occuper. Putain, il y en a un seul pour l'instant qui. Non, il y en a deux. Oh, il est pas bien lui. Oh là là. Et là, la dame, elle est toujours là. La dame, le monsieur. Écoutez-moi, mon petit monsieur, j'espère que vous avez un très bon avocat, parce qu'autant me dire que Vous allez rester vous des années à l'ombre. vous a pris un flagrant délit.
d'utilisation de concombres illégales. Ouais. Et à mon avis, c'est pas pour faire. Il semble avoir peur. Attends, le mec que j'ai interrogé qui était encore sur les lieux du crime là, il semble avoir peur. Eh ben, on va faire une petite palpation, monsieur, vu que vous êtes là. Vous savez pas quoi faire ce soir. Un beau jeune homme comme vous, il a des clés sur lui, d'accord. Ouais, mais clés de quoi? D'accord, vous avez de la chance que je puisse pas faire un étiotest à pied. Hein. Moi, je le mettrais bien en garde à vue. Mettre en garde à vue, il faut un soupçon raisonnable. Je vais juste tester, parce que j'ai jamais testé, on va peut-être perdre des points. Je vais juste savoir c'est quoi mettre en garde à vue. Ah! Ah, c'est juste pour qu'il reste, en fait, sur des soupçons, mais si tu lui mets pas un truc. Ok. Ah, ok. Donc, le mec que t'as arrêté tout à l'heure, par exemple, t'aurais pu le mettre en garde à vue pour correspondre au signalement. Et en fait, comme ça, il bouge pas, en gros. Sans le menoter, quoi. Tiens, moi, je vais le mettre en garde à vue pour possession de drogue. C'est pas vrai, mais comme il a eu un peur tout à l'heure... Non, c'est bon, vous pouvez partir. Allez, cassez-vous. Je peux plus vous voir. Ah, oh, c'est beau les lumières là. J'ai les flashing lights de... Oui, j'arrive. J'arrive. À manger des donuts? Allez. Ouais, donuts. Attends, je regarde l'ordinateur de la police. Je vais regarder du coup les personnes qu'on vient d'arrêter. Le profil n'a pas été enregistré. Ah merde. Noah Davis. Ah. Là, t'as jaugé la vitesse d'une voiture et il s'est affiché dans mon truc. Oui, non, je peux pas griller les feux rouges, c'est ça? Normalement, non, si t'as pas les lights. J'ai grillé les mecs de Franck. Ah, il avait un mandat d'arrêt, Noah Davis. Mais je pense que le mandat d'arrêt, c'est juste qu'il était recherché pour la scène. C'est ça qu'ils appellent le mandat d'arrêt dans le jeu. Putain, j'aimerais tellement. Je veux vraiment pouvoir modder ce jeu. Parce que je lui rajouterai tellement de trucs réalistes dedans que j'avais déjà fait pour... Oh bah c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un vieux bug, genre je me faisais percuter le véhicule arrière et... On va mettre un peu des contraventions parce que c'était notre objectif du jour. C'est ce que j'étais en train de dire. En train de vouloir faire. On s'est bien garé devant le truc expired, c'est cool. Je vais aller de l'autre côté de la route. Y avait... ok. Je vais voir s'il n'y a pas des shifts. Après c'est un peu claqué au sol, mais du coup donc quand tu zoomes, clic gauche sur une voiture, tu sais tout de suite s'il y a un truc qui va pas. D'accord. Non, on s'en fout. Ah. C'est assez mal garé ça, mais bon. Et tu vois, c'est pareil en fait quand t'as une voiture, alors je sais pas si t'as une voiture handicapée là. Donc t'as le macaron sur le pare-brise et en fait sur la plaque, c'est marqué aussi personne à mobilité réduite. Voilà. D'accord. Donc il faut que les deux correspondent aussi normalement. Mais en général ça correspond. Ah, il y a déjà un ticket là. Ah non, c'est un shift. Ah bah voilà, tiens. Véhicule shift. Mais de toute façon c'est expiré. Et oui. C'est expiré, mon bon ami. Stand de stationnement. Ah, effectivement, ça y est, il a été se garer le mec, ok. Ah, okay. Yeah. Bah, j'y avais un gars qui avait le pot d'échappement qui fumait là. Ah, t'as réussi à le chauffer? Ouais, en fait, t'as raison, c'est long, mais. Ouais, c'est un peu claqué. Ok. Mettre un conducteur en garde à vue. Je sais même pas où t'es. Ah là! Infraction du véhicule et. Attends, merde, mais t'es où? Pot d'échappement qui fume. Je te vois plus. Ah, mais t'es pas là. Je dois vous mettre en garde à vue car beaucoup de fumée sort de votre pot d'échappement. Vous trouvez pas ça cool, monsieur l'agent? Sérieux? Oui. Il a dit ça, ce con. Demandez, ordonne de sortir du véhicule. Putain, t'étais parti si loin. Tu lui as couru après, ouais. C'est pas possible. Et du coup, il est garé devant un gros bâtard. Il est garé devant un parc. Bon, bah, après, tu le fous plus pour. Je vais lui en mettre un, moi j'étais pas au courant. Hein. Alors, contravention, donc, c'est deux. Bon. C'est quoi, un vol? Ouais, bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, moi je suis loin de la voiture, mais on va l'accepter, je pense. Okay. Je vais chercher la voiture. Reste là. Ah, mais attends, on est grave loin? Ah non, parce que t'avais pas accepté, ok.
Faut que j'aille pêche. Oh ouais, on est quand même grave loin. Avec, même avec la voiture, on est à 1 km. Oh, mais c'est un bonus. Après, le reste. Ah, bah, il y a un accident là, non? Ouais, bah tant pis. Hein. Ah, il y a un accident juste C'est un devant. vol, monsieur. Voilà, on parle d'un vol, ok? Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis là, je suis là, je suis là, je ne barre pas. Bon, de toute façon, faut que j'aille là-bas. Let's go. Pin 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 pin. Ah, chais. Non 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 non, on va pas Allez, s'en occuper. démerdez-vous maintenant. De toute façon, il n'y a que 2 flics en vie et plus assez de budget pour recruter 2 mecs. Donc vous démerdez les mecs. Puis nous, on a fini à 4 heures. Je peux vous dire, on fait 1 km, après on va pas revenir jusqu'ici. Ouais, c'est clair. Ah, la conduite commence à être acquise, assimilée. Je veux finir de regarder Hooker. La 27e saison. Et Shield. C'était bien Shield. Ouais. Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! On a une intervention! Oh, 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 oh. Ah oui, des fois elle part en. Oh, elle a du mal à se remettre droite quand tu pars un petit peu. Calmos, mec, calmos. C'est parce que j'ai bu trop de café ce matin, je suis désolé. Allez, casse-toi, mais casse-toi! Mais pourquoi il s'arrête pas? Oh nom de Dieu! On était presque bon. Ah, décidément, c'est que des mecs qui ont des kiosques. Ouais, il y a que des. Il y a que des vols en kiosque aujourd'hui. J'en profite, là je suis dans le coin. Vous avez jeté un déchet par terre. Ouais, c'est vrai. Allez, petite contravention. Bon, bonjour. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien. Elle connaît cette personne, c'est étonnant. Ah bah voilà. Je sais Donc, du assez coup, pour ça en va fait. être dans le coin. Je vais préparer le taser, on sait jamais. Oh Kelly bah dis Jackson. donc, ça sera pas ce monsieur qui est juste à côté? Déjà? Ah, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, hein. C'est pas lui? Je viens de le ping pour voir. Ah bon, d'accord. Bah, c'est con parce que j'ai sa carte d'identité, hein. Et c'est lui? Ah oui. Bah pourtant, Kelly Jackson. il me dit c'est pas lui. Il semble nerveux. Oh, palpation. Hein. Attends. Attends, je vais discuter avec lui aussi. Ah, bien sûr, ouais. Évidemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis sûr que je ressemble à la personne? C'est ça. Ben oui, j'en ai conscience. Bon, barrez-vous. Barrez-vous, monsieur. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Oula, coupon, collation, chocolat, sac à main volé et chocolat. Ah, vous mangez du chocolat, monsieur? C'est interdit, vous savez, selon la loi de notre pays. Je regarde le manuel de procédure, attends. Chocolat, chocolat. Il n'y a pas de rapport de chocolat. Par contre, je peux prendre des photos. Allez. Oui, monsieur, j'ai le droit de prendre des photos. J'ai le droit. C'est dans la procédure, monsieur. Voilà. Regardez, je vais aussi prendre une photo de mon collègue. Voilà. Et je vais prendre une photo de cette échoppe qui est très jolie. Voilà. Oh, dis donc, je constate qu'il y a un véhicule qui est garé sur. Ah, ça, c'est totalement interdit. Totalement interdit. C'est le code. Monsieur, vous avez de la chance qu'il y ait une voiture mal garée. Hein. Sinon, votre vol de bijoux, là, vous. Hein, sous le nez. Hein. Là, bon, là, vous pouvez repartir parce qu'on a une voiture mal garée. Allez. Hop, c'est bon, on va ouais. la dégager aussi. Faudrait qu'il vienne. Hein. Ah, il faut la dégager. Tiens, lui aussi, je vais le dégager tant qu'à faire. En plus. Oh, il est garé trop loin, lui. Ah bon, ok. Empiète trop sur la route, hop. Allez, ça dégage. Je vais plus voir ça. Oh là là, et lui il est garé à l'envers là. Oh là 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 là. C'est dingue ce quartier. Le quartier du crime, comme on l'appelle. Hein. Comme on l'appelle. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? stationnement à contresens. Allez. Allez, un petit bonus avec.
Toi, t'arrêtes des gens au hasard là-bas, tu vois. Non, non, parce que j'avais vu qu'elle avait une flèche jaune. Je crois que j'avais vu à un moment donné qu'il y avait une. J'avais jeté les déchets. Monsieur, vous êtes en terrasse de café et vous n'avez rien commandé? Je peux avoir votre papier d'identité, Suspect. s'il vous plaît? Il Je vais a avoir un des points en moins, détachement. j'ai eu moins 5, c'était sûr. Here you go, officer. Si ça se fait, ça va me retourner un truc, hein. Non, merde. Ah si! Expiré! Permis de conduire expiré, allez! Voilà. Comme quoi, hein, le contrôle au faciès, on le dira jamais assez. Ça marche. Pièce d'identité périmée. Quoi? Pourquoi moins 5? C'est juste parce que j'avais pas le droit, quoi. Ah bah ouais. Non, je m'en fous. Arrêtez de parler tous en même temps là, c'est très désagréable. Il semble vraiment en colère. Vous êtes en colère en plus, très bien. Alors je vais vous menotter. Allez. Qui pète complètement à plomb. Écoutez, j'ai passé une très mauvaise journée. T'acceptes pas la mission? Non, j'ai refusé. Ah d'accord. Oh, on a bientôt fini là, on va pas commencer à faire une Ils ont mission. embarqué le mec là? Ah oui, ils l'ont embarqué. Ah, bientôt fini pour encore. Hein. Ah. Ah, tu t'emballes toi. Ah, les déchets, on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer le football et la console. Ouais. Rien d'intéressant dans ce ticket. D'ailleurs, on n'est pas dans notre ticket, je crois. Dans notre district. Ah si. Faudra repartir à droite au bout de la rue. Oula, c'est à l'autre bout, mais on peut. Ah, capacité! À droite et tout droit. Alors je sais pas pourquoi de temps en temps le jeu me tape des flashs. Ouais. Bizarre. C'est peut-être que t'es un ancien de l'armée en Ouais, fait. ouais, 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 ouais. T'es un ancien de l'armée qui a été génétiquement modifié pour devenir un super soldat. Et de temps en temps t'as des flashs comme ça. Ouais. De ta vie Je me passée. pense. Allez! Et l'autre il me fonce dedans alors que j'ai le gilet de Attends, lumière là. laisse-moi descendre, je vais le défoncer. C'est les flashs de ta vie passée. Bonjour, Michael. Si seulement. Oh ouais, dans les modes t'Académie et tout. Ah putain, ouais. Un mode K2000. Un mode Robocop. Allez, je te mets mon billet qu'il y en a une qui connaît le mec et l'autre qui doit connaître sa couleur de cheveux. Ouais, attends, moi je vais faire un truc. Je sais pas comment on fait. J'ai les fusées éclairantes, mais je sais pas comment on les met. Elle connaît la personne, c'est bon. Bingo. Ah, trouvé. Je vous ai mis une fusée au cas où. King Elizabeth. Ah, c'est la reine Elizabeth en plus. Le roi Elizabeth. Ah bah du coup elle est pas dans le coin. Ah. Merde, le pistolet radar ça sert à rien. Alors la reine Faut Elizabeth. récupérer d'autres informations. C'était une Latino. Paris Latino, ok. Pas qu'elle aime beaucoup la salsa. Ouais, d'accord, mais tu le donnes jamais. Ah, il l'aimait pas, c'est bizarre. Ah, parce qu'il n'y a pas couleur de cheveux dans le truc. Ah, ça y est, costume marron. Quand même. Ah, merci. mais il y Hein. a lui aussi qui est adossé là sur le poste. Adossé à la colline? Et lui là. Mais il s'en fout, d'accord. Ah, il Ok, s'en fout aussi. d'accord, donc on va Barrez-vous, falloir barrez-vous, bah trouver. si vous servez à rien, pourquoi vous êtes sur une scène de crime? Où est Elisabeth? Bon, bah je prends de ce côté. En espérant que je sois toujours dans la zone. Mais ils sont grandes les rues quand même. Bon, il n'y a pas énormément de monde, mais merde. Est-ce que je suis toujours dans la zone, moi? Ouais. Quoi? Non, c'est rien, j'en ai profité pour dégager une voiture qui Ouais, je fais jamais. On fait jamais un voyage à vide. tournait. J'optimise. Bon alors, elle est où celle-ci là? Ah, y en a... Attends, je suis encore dans la zone au moins. Pourquoi j'ai des trucs Ah rouges? non. J'ai des trucs rouges qui sont super lents. Ah, mais je suis plus dans la zone. Attends, c'est moi celui-là?
Non, mais dans les deux cas, on n'était plus dans la zone. Ah, mais j'y suis plus du tout et ça a bougé la zone. Je suis au Je sais chantier. pas si au bout d'un moment la personne s'enfuit ou. J'espère. Attends. Ah, je l'ai. Ah, elle s'enfuit, c'est elle. Je suis à la pharmacie. Je sais plus où est notre voiture. Je vais essayer de retrouver notre voiture d'abord. Et après, je te rejoins. Elle est juste à côté de la voiture en fait, hein. C'est pas compliqué. Ah, on a fait le tour pour rien en fait. Ah, putain, je suis super loin. Un peu dans bon point mon personnage, hein, parce qu'il court pas très vite, je trouve. Ça, c'est les donuts, ça. Bonjour, Madame Elizabeth King. Ou devrais-je plutôt dire la voleuse de diamants? Et oui, en fait, j'étais le directeur du musée. Ah, elle est mal garée cette voiture. Alors, non seulement elle est mal garée, mais je peux rien faire avec. Parfait. Non mais elle est sérieuse? Qu'est-ce qu'elle a? Elle se renfuir de nouveau? Menotte là. Ah non mais attends, je peux pas en fait là. Mais qu'est-ce que tu... Mais... Ne bouge pas. Police, stop! Je vais très bien un coup de taser quand même. Hein. Juste pour la calmer. Gentiment, juste pour la calmer. Ok. Elle a de la chance. Elle a beaucoup de chance. Qu'on soit dans une bonne journée, mon collègue et moi. Je t'arrête aussi pour ta couleur de cheveux qui est vraiment dégueulasse. L'agent Ah bah Pedro voilà. Sanchez et moi, on est très déçus par votre comportement, jeune fille. En plus, c'est un no parking ici. Brick and Mortar Bar and Lounge. Oh, c'est un bar lounge qui fait aussi brick et mortier. Brick et Mortimer. Oui. Bon, ok, je ne m'étais pourri, pardon. Je recommencerai plus. Non, parce que moi j'étais sur Rick et Morty. Donc tu vois, j'essaie de. Oh, je me suis fait écraser par le transport de troupes. Individu recherché a été arrêté. Excellent Il a travail. On a été. eu 300 points en Il bonus. a été impré. Je suis à 916 points d'XP là. Je suis à. Ouais, pareil. Le suspect a été appréhendé et la journée est de toute façon finie. Ah mais tiens, j'ai pas utilisé déjà la voiture. Oui, oh ça va, ça va. Je me suis endormi sur le volant. Où est le. Où est le... la voiture à ah, tout droit. Parfait. J'ai activé un truc sans faire exprès. Ah d'accord. Ok, super. Alors, il est quelque part dans le coin le poste. Je crois qu'il est derrière là, non? Il y en a plusieurs. Ah bah, t'es à 40 mètres à gauche. Là, ouais, c'est là. Pardon, Tu madame. passes. Bah, dis donc, je sais pas comment elle a fait. Elle a pas paniqué et je sais pas comment elle a fait Pour ne pas mourir? pas se faire rouler dessus. Ouais. Encore une bonne journée de terminée. Je pense qu'on va passer un niveau quand même J'espère bien. Je suis complètement lessivé. là. Oh, ce sont des grosses journées de 4 heures qu'on fait en ce moment. Hein. J'attends mon partenaire. Je suis là. Ah là là. Vivement les modes. On en est où? Vous avez été bloqué à un nouveau type d'appel. Arrêt de véhicule. Ah Oh, bon? C'est nouveau pas ce que t'avais district. avant? Non, c'est encore un autre truc. Nouveau district, vous pourrez le sélectionner après avoir terminé 5 patrouilles cette semaine. Ah ouais, donc travailler toute la semaine quoi. En fait, le mec il voudrait qu'on travaille toute la semaine. Le downtown, c'est cool, on va avoir le downtown. Downtown. Nouvelle journée au bureau. Samedi? Ah bah, il suffit qu'on fasse une patrouille de plus et c'est bon. Vas-y. Beaufort, Halcon Bay. Patrouille en voiture ou patrouille à pied? Bah, je sais pas à pied, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Scanner les voitures. Et mettre des tickets. Vas-y, on peut faire à pied, allez. C'est sûr que mettre des tickets, c'est rigolo. On va aller à Beaufort, parce qu'on aime bien le fromage. Je crois que c'est une blague qu'on avait
déjà faite. Oui, bien sûr. D'accord. Et je la referai de... aussi souvent que faire se peut. Bon, allez, maintenant je fais RP. Donc je ne cours pas comme un dératé pour sortir du poste. Alors, donner une contravention pour stationnement. Eh ben, on va faire ça. On peut se répartir la tâche de travail, cher collègue. Tout à fait. Je pense que je vais partir sur l'avenue là à droite. Moi, je peux courir, je m'en fous, je peux en stream. Exactement. Là, alors, je traverse comme un porc. Hein. Alors, sans no regarder. Stopping anytime, no parking, 1000. Non, il peut pas, par exemple. Un stationnement. Alors. Ouais, ça va, pour une fois, j'ai pas fait de conneries. Ah, mais lui, il a pas le droit de se garer là. Ah, déjà. Utiliser arrêt de véhicule pour les immobiliser et contrôler. Non, pas accepté. Mais où? Qui? Quoi? Pourquoi? Comment? Qui est donc Ornica? 148 km, 148 mètres là-bas. Je fais mon petit footing, j'en profite. Toujours se maintenir en excellente santé, surtout dans nos métiers qui sont très sédentaires. Hein. Très sédentaires. On est très souvent quand même devant l'ordinateur à taper des rapports de patrouille. J'essaie de comprendre où est le véhicule de type recherché. Faut utiliser le panneau stop du coup. J'ai jamais fait encore le truc avec le panneau stop. Ah, c'est marrant en fait, c'est des... Ah d'accord, en fait il y a carrément un poste de contrôle. Il y a deux véhicules, ouais. Ouais, je viens de voir. Ah, il faut vraiment faire un arrêt quoi. Donc du coup ça veut dire qu'après... Mais quoi, il faut attendre juste là? Bah apparemment. Ok, et utiliser arrêt de véhicule pour les immobiliser et contrôler. Oh, mais faut qu'il y en ait. Ah, c'est bien, on va faire une petite fouille anale. Non. Non, t'as pas tes gants, n'oublie pas. Et bah, tiens, regarde qui arrive là-bas là, avec sa fumée. Là. Quelqu'un qui court là. Oui, puisqu'il a traversé. De manière illégale. Je prépare le taser au cas où il veut pas s'arrêter. Allez hop, on tourne sur le côté monsieur. D'accord. Ouais. Eh bah voilà. Eh bah ça fait plaisir. Ce manque de respect de la police. Attends, tu vas voir s'il peut pas me voir. En fait faut se mettre bien devant. Non. Le mec je me mets genre à côté. Si tu cours après c'est trop drôle. Officier chais. Voilà, on ne bouge plus, on reste là et on ferme sa gueule. Ah bah non, ça a pas marché. Attends, laisse-le se garer, voilà, là il se gare. Ah d'accord. Moi je vais faire celui d'après. Ok. Ah bah c'est un taco ça, non? Oh non, on peut, c'est juste la foutre. Bien dégueulasse. Une mijaurée. Bonjour madame, je vous mets en garde à vue, direct. Pourquoi, j'en sais rien. Je veux rien savoir. Ah pousse-toi s'il te plaît, si tu peux. Ah, c'est un contrôle de routine, d'accord. Faut mettre arrêt de véhicule. Est-ce qu'il y a un problème? Me regarde pas comme ça avec ces petits yeux là, c'est bon. J'en sais rien, s'il y a quelque chose, je sais pas. On va faire un petit contrôle de routine. Veuillez présenter la pièce d'identité valide. Ainsi que si possible. En fait, c'est embêtant parce que le mec peut pas passer alors qu'il y a au moins 50 cm de ton cul là, c'est relou. 3, 5, 2022, c'est bon. Ah, c'est un gars que t'as arrêté? Oui, bah oui. Okay. Il est bloqué. Attends. Je vérifie juste la plaque. Oliver Parker. ZQW. Peter Parker? Ouais. ZQW14. Ok. C'est ça. La plaque d'immatriculation de ce véhicule est périmée. D'accord. Attends, je vais juste bouger pour que l'autre compte passe. Voilà. Allez, casse-toi. Donc le véhicule périmétré, j'avais pas regardé, j'avais pas vu. Ah oui, 2020, en effet. ZQ, c'est bien celui-là. Et bien du coup, mademoiselle, votre voiture a une plaque d'immatriculation périmée. Ce sera déjà une contravention.
Parce que je suis un enfoiré. Mais t'as raison. Je vais faire un petit tour aussi pour voir. Ouais, c'est beaucoup, je sais. Elles sont vraiment tristes. Rien à foutre. Alors. Elles sont vraiment en colère, ouais. Chopper. Cooper. Ok, la voiture a l'air propre, sinon les phares sont pas cassés. Oh, ça ira pour cette fois, madame. C'est bien la vous avez bien de la chance d'avoir rien d'autre comme problème sur votre voiture. Sinon, je peux vous dire, vous aurez une autre amende. Ah, moi aussi, il a encore un. Date d'expiration de l'assurance. Si tu veux, je regarde la plaque. Ah, il ah a... ça sent l'alcool. Il a un phare pété à l'arrière aussi. Oh la vache. Attends, je vais laisser déjà, passer. Bouge pas. C'est quoi déjà? Je lui dis de repartir, mais elle repartira pas. Ouais. Allez, casse-toi là, j'ai besoin de la place. Voilà. Ouais, il a un phare pété. Peu de position arrière défaillant. Ah, c'est cool les petits contrôles de routine comme ça, c'est bien aussi. Ça change un peu. Bon, je vais attendre qu'il y en ait des autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est où déjà le. Ah, il est fermé de phare. Le véhicule. J'attends la prochaine personne qui passera. Hein ? Je me suis pris un moins 5, pourquoi ? Ils sont confus, bon d'accord. Allez maintenant. Il y a un Burger Heaven à côté si jamais on a faim. Ah, direct tu le fais sortir toi ? Bah oui, il est sous l'emprise de l'alcool. Ah là, enfin, là, là, il là. Ça sent l'alcool. Je viens de t'aider, collègue. Test de dépistage, test d'alcoolémie. Oui. Allez, souffle-moi ça là-dedans. Bonjour monsieur. Vous savez, vous êtes arrêté aussi devant une plaque expirée. Hein. 0119. Attends, je lui rajoute. Ah, je peux pas lui rajouter un ticket. Je suis déçu. Il est devant un truc expiré. Oh là là, oh là là, oh là là. Attends. Ticket de bus facturement. Ça, d'accord, ok. Vous arrêtez. Allez, vous garez sur le côté, s'il vous plaît. C'est quoi ces pots d'échappement là? Elle a pas utilisé son clignotant. Et en plus, elle fume. 8 Attends, VG. Pourquoi il me laisse pas la possibilité de dire qu'il est sous l'emprise de l'alcool là? Je piche pas. Ah, conduite en état brillé. Je sais pas quoi choisir parce que là elle a pas mis son clignotant, c'est un contrôle de routine et elle a le pot d'échappement qui fume. Bah, tu fais dans l'ordre. Allez, j'en choisis une, on la garde à vue. Non, c'est pas très grave, mais ça fait quand même beaucoup de choses, madame. Demandez la pièce d'identité. Allez, allez, montre-moi ça. Aria Jones, ok. Euh, 8VG632, c'est la bonne. Date d'expiration, c'est ok. Ouais. Ah oui, non, tout est en ordre, mais... Ah ouais, l'outil s'est garé carrément sur... ok. Mais le problème... Dès qu'il y a une dépanneuse. Le problème, c'est que vous avez... le problème, c'est que vous avez le pot d'échappement qui fume. Alors, je vais vous mettre une contravention pour ça. 300 à 400 dollars. Oh la vache. Je comprends qu'elle va râler, là. Donc, déjà, de 1, ça. Oui, je sais. Et de 2... Non utilisation du clignotant, mais on va faire un avertissement verbal. Voilà. Et du coup... Alors du coup quand il y a une infraction, mais qu'on la voit pas, il te propose forcément les infractions. Ouais bah parce que moi j'avais pas vu le clignotant et je l'avais. Allez casse-toi. Oh, il y a du bordel derrière là. Pourquoi il est encore là le prisoner transport? Du coup, moi je sais pas ce qu'il y a. Non il l'enlève là.
Moi, je sais pas ce qu'il y a, le problème, c'est que je voulais dire de la. On va laisser passer les véhicules parce que sinon ça va être le bordel derrière. Tu sais pas ce qu'il a? Ben non, je peux pas lui dire de que je l'arrête, c'est un contrôle de routine. Ah bah tu fais contrôle de routine, ouais. Allez, Ben non, je ne peux pas. Je viens de te dire que j'ai pas la possibilité de. Bah sa plaque est périmée de toute façon. Comment tu. Ah ouais. Bah c'est 2020. Non, attends, c'est septembre. Ah non, on est en mai, merde. Bon bah je sais pas, je vais essayer de repartir, j'en sais rien. Ça c'est un peu con. Survolé, fausse pièce d'identité. Ah attends, on peut peut-être vérifier ça si le véhicule est volé. Bah, demande au dispatch. Alors, C'est M. 2LX J39. Attends, mais comment on fait déjà? Dispatch M. 2LX J39, permis de port d'un mandat d'arrêt non. Et véhicule Non, enregistré, tout est bon. assuré et pas volé. Tout est en ordre. Je me dis de repartir, ça sert à rien. Essayer d'en choper encore une. Là. Ce serait pas mal. On a un bonus de 10. C'est pas mal Ouais, ce ça scénario. change. Ça change. J'aime bien. En plus, on a quasiment à chaque fois un truc. Puis on peut vraiment le jouer aussi RP en mode dès qu'on voit vraiment des trucs qui fument ou un pare-brise cassé, tu les arrêtes, les autres tu les laisses passer quoi. C'est vraiment du truc au faciès aussi, mais. C'est clair. Ah ouais, dans la nouvelle update là, ils ont expliqué qu'ils vont. Ils vont beaucoup plus randomiser les noms. Alors les visages pas trop, il y aura 6 nouveaux visages et 7 nouvelles coupes de cheveux. D'accord. Mais par contre les noms, actuellement il y a genre 77 noms. Et là il y en aura genre Ah ouais? 700 ou un truc comme ça, tu D'accord. Je sais pas qu'ils en avaient aussi peu que ça. Conduite suspecte, sans doute alcoolisée. Ah, t'as déjà mis sur le trottoir. Ah, j'ai pas vu. Quoi? Ah oui. Ah bah c'est pas grave, il y en aura deux. J'ai un suspect qui est potentiellement alcoolisé là. Ok. Avec une conduite suspecte, il a failli d'ailleurs écraser quelqu'un en mettant sur le 1FV055, ok. Bonjour madame, monsieur, dame. Je vous arrête pour... Alors je vous arrête pour arrêt du véhicule. Enfin, contrôle de routine, mais vu que vous titubez. Alors que vous êtes assis, hein, je le rappelle. Je crois que la mienne aussi, elle doit être bourrée. Ah bah dis donc, on est en quelle heure là? Ah oui, Elle 4h du bredouille. mat. Ah. Ah vous avez pas l'assurance en plus. Ah bah dis donc. Ça sent l'alcool. Bah oui, bah, y a pas besoin de me le dire. Hein. Je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Ouh là là, ça marche pas droit. Là, ça marche pas droit. L'insérence, déjà, c'est pas bon. Allez, monsieur. Allez, on essaye d'y aller en un seul morceau. Hein. Il n'y a que 3,50 m à faire. C'est bon. Vous pressez pas, surtout, j'ai tout mon temps. Alors. Bah, test de dépistage, hein, de toute façon. Bon, combien il va sortir? 0,131. Oui, oui. C'est énorme. Dans le doute, je vais faire un test de drogue aussi. Parce que je suis flic, je fais ce que je veux. Eh ben voilà, amphétamine en plus. Tu l'as fait sans perdre de coups. Non, non. Moi aussi, et conduisais sous l'emprise de l'alcool, Bah du super. coup, je vais faire quand même une... Bah une fouille, hein. Ouais, j'ai le droit. Et alors là. Oh, il se barre. Ok. Il a peur d'aller en prison. Désolé, il venait vers moi de manière très abrupte. Bah tu bouges plus maintenant. Putain, j'ai même pas vu ce qu'il a retourné sur une fouille. Bah du coup ça va être narcotique parce que je sais pas ce qu'il avait. J'ai pas vu ce qu'il avait sur la fouille, merde.
Je vais refaire une fouille. J'aurais dû me noter tout de suite. Couteau à cran d'arrêt. Oh putain, j'ai eu de la chance. Je vais aussi fouiller son véhicule du coup. Tu vas voir, j'ai retrouvé des trucs de ouf. Une clé USB. Ah oh là là, j'en étais sûr. C'est vraiment le genre de mec à avoir des clés USB dans sa voiture. Ouais, d'ailleurs il est content parce qu'il savait plus, il est foutu. Ouais. Bah monsieur, vous avez retrouvé votre clé USB. Y a pas grand chose dans son véhicule malheureusement. Et on va s'arrêter là je pense pour le shift parce que c'est fini. Facture de blanchissement local, de blanchisserie. Il blanchit de l'argent en plus. Il a une facture de blanchisserie. T'as pris une dépanneuse pour la voiture? Oui, enfin pour l'autre, pas pour celle-ci. Ah, okay. Je le fais. C'est bon. Ok. Ouais, notre voiture. Ah bah non, on était à pied. Bon bah bonne soirée monsieur. Restez là. Et merci de votre coopération. En tout cas, on est bien content de vous avoir arrêté. On est content que ça tombe sur vous. Il a bien failli me pointer surtout. Putain, j'ai dégainé mon arme, mais le problème c'est que j'avais pas le paralysant. Quand il s'est enfui, j'ai bien failli lui mettre un coup de pistolet radar. Ah, mais moins fait le malin. Quand je l'aurais. Si je l'avais mesuré à 5 km/h, il aurait fait pas trop le malin, je te dis, moi. Oui, ça c'est sûr. Ah, on retrouve nos bureaux pourris. Oh là là, c'est tellement mieux quand on est en service. Donc normalement, là, on a fait nos 5 shifts de la semaine. Donc on devrait avoir. Je sais plus quoi. Ah, j'ai un truc qui revient en. Le rapport de patrouille. 0 point de conduite. Eh, j'ai fait 0 point de conduite, c'est ouf. C'est la première fois. Je sais pas si j'ai. 0 malus, 404 points de patrouille. C'est propre. Semaine 2 terminée. Ah! On a débloqué Downtown et Brixton. D'accord. Ah, c'est comme dans. C'est exactement comme dans Bus Simulator. T'as des systèmes de quartier et de. Et d'étoiles là pour chaque district qui te fait avancer. Donc apparemment dans Downtown, donc au début tu débloques Jefferson, ensuite un nouveau quartier et une nouvelle voiture. Ah cool. Ensuite il y a le vandalisme par graffiti. Tiens. Après un appel pour arrestation de trafiquants de drogue, plus 3 quartiers. Et Brixton je ne vois pas encore parce qu'il faut 6 étoiles pour pouvoir débloquer Brixton. Mm-hmm. Et j'en ai 6 dans 100 points, donc c'est bon. Ok. C'est gros, hein, finalement. Si t'as 4 quartiers à chaque fois. Il y a plus que... Ouais, parce que je crois que si on regarde la carte générale, il y a 5 quartiers, non, c'est pas ça? Bah non, là j'ai les 3 débloqués, moi. Ah ouais? Oui, mais sur le plan qu'on avait vu. Ah, c'est 3 gros, mais après je sais pas, ouais, sur le plan... Ah c'est marrant, t'es revenu à exactement la même progression de carrière que moi alors que j'en avais fait plus quand j'étais... Oui, mais tout à l'heure j'ai fait... toi t'avais perdu beaucoup de points je crois aussi. Oui, ça c'est possible. Je veux bien accepter la sentence. Bon bah on peut aller à Downtown. Bah Downtown pour l'instant on est à pied et dans Jefferson qui est tout petit. Ok. Bon. Alors écoute, durée des patrouilles. À Yep, on va remettre à 20 minutes et en voiture, on va remettre à 30. On est à Yep de toute façon. On va découvrir un nouveau quartier avec un nouveau bureau. Première journée, on a été muté dans ce nouveau quartier. Et on a des collègues qui ont non seulement des donuts, mais des PC portables. D'ailleurs, le pas des légèrement crades. C'est mieux payé ici, j'ai l'impression. Ah oui, c'est clair, je crois bien. Je crois qu'il y a un syndicat. Le plan du quartier. Ah oui, tiens, t'as raison, le plan du. Non, c'est bien 3 quartiers. Le jaune, le bleu, le rouge, quoi. Okay. Et là, on est dans le bleu, on est au centre du bleu. Dans le quartier. Ah, c'est le... toujours Sandy, hein. Elle est partout, hein. Putain, mais qu'est-ce que tu bosses, toi? Sandy, mais elle a été mutée aussi. Hein. Bah, Sandy, elle est partout. Salut, Sandy. On va parce qu'on nous suit. Je crois que j'ai une touche avec elle. Mais...
Non, je crois pas, non. Non? Non, bah elle sort avec Johnson. Ah, c'était pas Brian? Non, Brian, c'était avant. C'est Martha qui est avec Brian. Exact. Martha qui est la fille de Sanders. Oui, de Bernie, donc. Bernie Voilà, Sanders. exactement. Pourquoi tu cours comme ça? On n'est pas Ah oui, pressé. non, mais c'est mon petit échauffement de Petit échauffement du soir. matinal de 10h30. Ah tiens, ça commence, un véhicule sur le Signaler trottoir. des excès de vitesse avec le pistolet radar, le pistolet laser. Eh ben, je suis. Piou, piou, piou! Je suis bien chaud pour faire du signalement radar, mais il faut sans doute trouver un endroit. Ouais. Parce que là, ça a pas l'air d'être un endroit où il y a du passage. Un Ah, j'ai trouvé endroit une carte sur si. internet, il y a un mec qui a carrément fait les limitations de vitesse de par rue en fait. Ah bah voilà quelque chose d'utile. Il a vraiment Je te fait la. remercie donc toi, Il a cette mis les personne noms qu'on des ne rues connaît aussi pas. pour s'y repérer. Tu sais, genre quand tu joues RP pour dire ouais, il y a quelqu'un sur Grove Street. Sauf que en y regardant bien, la carte elle fait genre. Il y a genre 5 rues différentes. Parce qu'il y a des rues qui font genre toute la carte. Qui tournent, qui prennent des intersections, qui repartent à droite, à gauche, machin. Et c'est tout le même nom de rue. Mais putain, elles sont grandes les rues de chez eux. Ah merde, c'est déjà la fin du. Ah bah oui, c'est vrai que c'est tout petit ici. Bon, je vais me mettre là avec mon radar. Pistolet radar. Il n'y a personne dans ces rues. La nuit, c'est chaud de faire du radar. Hein. Je vais me mettre là. Je vais essayer de me cacher dans un coin. C'est pas mal. Les voitures, elles accélèrent. Je sais même pas c'est combien, 35? Je sais plus. Ben non, pas sur les rues annexes du Ouais, coup. non, je suis sur une grosse. C'est-à-dire. Je suis sur une grosse rue. Ok. Je pense pas que c'est une J'ai rue bien annexe. précisé ce que j'ai. Oui, pardon. Oh, mais il est mal garé, lui. Ben oui, vous êtes garé sur le trottoir, monsieur. Ben oui, mais c'est pas la peine de. Ah non, il est pas là, pardon. Non Voilà. seulement il est mal garé, et en plus, il est sur le trottoir. Enfin, il est sur le trottoir et il a dépassé Ça va le pas temps. vite. Vous allez pas assez vite, monsieur. Vous pouvez rouler un peu plus vite, j'ai des quotas à respecter, moi. Attends, je suis encore sur la zone, moi, ou pas? Bah, de toute façon, la zone est bloquée, t'as des trucs jaunes. Ah, Oh, braque. oh, attendez, attendez. Et ce qui va me rentrer dedans, lui, en plus. Ah, donc la vitesse sur la petite route, là où je suis, moi, c'est 15. Bah là, on est arrivé, c'est 15 km/h. D'accord. Enfin, 15 miles. Monsieur, vous avez un Pardon. phare cassé à l'avant là. Hein. Attendez, bah arrêtez-vous. Je vais quand même prendre mon pistolet paralysant au cas où. Parce que tout à l'heure, ça m'a un petit peu refroidi. Ah, j'ai pas le temps là. Je suis en train de discuter avec une personne. Bonjour monsieur, infraction du véhicule. Vous avez une défaillance de phare. Oh, mais il est pas content en plus. Il lève les bras au ciel. This is patrol Come on, I'll get some 4562. fix in a few Bah days. non. Search for the Non, je suspect. vais pas partir là. Ah, c'est une autre patrouille, mais ok. Ouais. ID and if available, proof Bah, je of vais c'est vous demander quand 35. même votre pièce d'identité, monsieur, parce que même si vous alliez bientôt réparer Here you go, officer. votre phare, ce dont je ne doute pas, sa carte d'identité a expiré en plus. Bah voyons, allez. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, là. Date d'expiration. Mais attends, mais tout a expiré chez lui. La carte d'identité et l'assurance. 6D012. Est-ce que c'est au moins votre véhicule? Hein? Voilà. Alors, je vais vous demander de sortir du véhicule. Parce que c'est n'importe quoi, monsieur. Et je vais même Moi vous j'ai un véhicule menotter. qui fume, il s'est garé à 12 km de moi. Super. Menotté pour défaut de permis de conduire. Ah, j'ai perdu des points là. Non, j'aurais gagné ça. Je me suis dit, est-ce que c'était vraiment ça? Chut, 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 tu te tais. Je veux pas t'entendre.
06D0112, véhicule phare défaillant, bah c'est le dernier de mes soucis là du coup. Allez, on avait défaut de permis de conduire, défaut de d'assurance. Il a enchaîné quoi. Ouais. Assurance, machin, permis de conduire, ok. Il a déjà été déclaré coupable de blanchiment d'argent. Alors je suis désolé. À partir de là, on a le droit de l'arrêter. Non, le droit à l'oubli, monsieur, c'est, ça n'existe que dans les films, ça. Ah, moi, ouais, coup et blessure, déclaré coupable pour coup et blessure. Ah, quand même. Ouais, je peux pas le fouiller, malheureusement. Allez, vous avez de la chance, hein. J'ai vraiment envie de vous fouiller. Understood. Et du coup, on va dégager votre véhicule aussi, qui est fort. Qui est bien propre. Putain, le bordel qu'elle fait, cette voiture! Je sais pas c'est laquelle. Je crois que c'est celle-là. C'est vous qui faites un bordel pas possible? Ah, vous allez vous arrêter. Je vais les faire sortir pour leur donner une couenne en fait. Non, pas forcément. Je crois que c'est lui qui fout un bordel pas possible. Allez, ça va se garer sur le côté là, c'est, j'en peux plus. Ouais, je crois que c'est lui. Et où est-ce qu'il va se garer ce con? Putain, je suis obligé de courir après. Ah merde, je crois que c'était pas lui. Ah, il va se garer à l'autre bout du monde. Ouais, c'est ça qu'ils vont changer. Ah merde. Ah, j'ai eu des points en moins, donc c'est pas lui qui faisait du bruit. Bah si. Pourquoi il met des points en moins, ce couillon? Bonjour monsieur, vous faites un bordel pas possible, je vous arrête. On ne m'entend même pas tellement, vous riez fort. Mais oui, mais de temps en temps, il y a des bugs d'audio, c'est pareil. Moi, il bredouille. Aïe, 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 aïe. Il bredouille, il est rentré de la chasse. Et non seulement on n'entend rien à cause de votre voiture, mais en plus vous bredouillez. Ellie Hall. Je peux vous appeler Ellie? Je suis citoyen, on se connaît assez bien. Attends, on se connaît. 9FIG07. Il semble nerveux en plus. Oh là 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 là. Oh là là, ça va sortir du véhicule. Hein. Comme ça, ça arrêtera de faire du bruit aussi. Oh là. Oh, c'était pénible. Sur son téléphone aussi. Vas-y, je suis trop où là? Qui vous invite? Alors. C'est bon, je peux te parler? T'as fini? Ouais. Non, attends, je suis sur un test de dépistage, tu vas attendre. Monsieur, vous bredouillez, vous êtes confus. Je vais vous demander de souffler dans le petit tuyau. Et je parle pas de ma. Alors. 0,19. 0,019, je crois que c'est en dessous. Hein. C'est 0,03, je crois. Non, mais en fait, c'est pas 19, hein. Oui, c'est 0,019, si. Donc du coup c'est 0,0. Oui. Donc c'est bon. C'est bon, mais quand même, vous bredouillez et tout, c'est... Voilà. Il ne me dit rien qui vaille. Je vais quand même faire un test de drogue. Je vais avoir des points. Oui, j'ai eu des points. Cet homme conduisait sous l'influence de la drogue amphétamine. Allez. Allez, qui c'est le papa? Menotté. Narcotique. Conduite sous influence de l'amphétamine. Et je vais rajouter une petite fouille au corps des familles. Oui, mais non, mais tout le monde me dit ça, vous savez. Non, parce que notamment c'est très mal scripté et qu'il y a tout le temps les mêmes dialogues. Mais c'est quand même. Une raison. Une petite fouille qui va bien. Et je vais découvrir un couteau à cran d'arrêt, je parie. Des gants en satin. Je le savais. Mais c'est pas assez... Ouh là là. Excusez-moi. D'accord. Non mais écrasez-moi, c'est pas grave. Plus rien à foutre. Understood. Et du coup, on va fouiller le véhicule.
Il porte un objet illégal. Ah, je le savais. Oh my god. Oh my god. Un couteau à cran d'arrêt et la fameuse clé USB. Oh, je vais tout fouiller. Je vais te retourner ton véhicule, mon gars. Donne-moi un canif, j'ouvre les sièges. Amenez-moi les chiens. Retournez-moi tout là-dedans. Je peux plus rien reconnaître. Oh, il y a un truc dans le coffre. Où je suis sûr, il y a un truc. Où ça sent la bœuf. Ça sent le couteau à cran d'arrêt, je le savais. T'as le flair, hein. Ah, non, mais c'est vrai. Hein. On sent que le stage t'a fait du bien, quand même. Ouais. Ah, j'ai fait un petit stage de perfectionnement. Non, mais ça t'a servi, y'a pas de doute. Le petit stage de perfectionnement sur les tutos de Steam. Le petit stage qui fait du bien. Allez, ça c'est à contresens, ça dégage aussi. Allez, j'ai pas vu une seule bagnole en excès de vitesse, c'est lourd. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire ça. On s'amuse. Et on oublie le principal, on oublie de gagner des points. Je pense que c'est bon. Oh, il y en a encore un avec un phare cassé là-bas, putain. Zup, personne ne bouge, plus personne ne bouge. Un taxi. Ah, lui, on va le laisser avec son truc cassé là. En fait, réellement, il n'y a pas de taxi. On voit que des. Ah si, il y en a un qui vient de passer là. Uber, si. Ah, d'accord. Ouais, de temps en temps, là. Oui, il est garé, mais comme une sacoche, mon gars. Par contre, il n'y a personne en excès, hein. Je suis vraiment dégoûté. Et en plus, dès qu'ils me voient, ils arrêtent de rouler. Ah, c'est pas le meilleur quartier là pour mettre des. Non. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, accepte. Hein. Ok. Oh là. Ah cool, on n'a pas la photo. Féminin, asiatique, cheveux noirs, armé. Ouh, attention, armé, je vais sortir déjà mon gueule. Enfin, je vais le mettre sur le tab. Ah oui, effectivement, je dis ça, puis je vois deux taxis aller d'affilée. Bon, est-ce qu'on a une zone? Oui, ouais, je ok. Pense. Devant nous. Costume violet, mini-shirt noir. Bon, rien que les habits normalement devraient. Asiatique. Largement nous aider. Costume violet. Costume violet, cheveux noirs. Costume violet et mini short noir. Ok. Ok. Je suis assez loin de la location quand même. Et surtout, je suis obligé de faire tout le tour parce qu'il y a des immeubles en fait. Mini short noir, costume violet, mini short noir, costume violet. Regardez dans le parc déjà. Ah, oh, il est mal garé. Bon, attends. Il est vraiment trop mal garé. Je suis désolé. Hein. Mais là. Ah, Non, mais je suis pareil, je peux. Ah, ça me dégoûte. Ça. Nettoyage des rues. C'est nettoyage des rues. Ah non, c'est pas ça. Tant pis. Je sais plus c'était quoi. Bon, tant pis. On va faire des points faciles. N'oublie pas qu'on cherche une asiatique. Ouais. Traverser le parc, attends. Rien. Non, costume violet. Couper. Attends. T'évite de me couper. Costume violet. Oh, coucou. Derrière toi. Si. Non. J'ai vu un truc violet, mais et c'est pas un short. Ah, elle est là. Ah non, pas du tout. C'est parce qu'il vient jeter des déchets. Super. Je l'ai. Elle vient de jeter un déchet en plus. Madame. Ah, j'ai moins 20 parce que j'ai sorti direct le gun, quoi. Pas le taser. Je pense que tant qu'elle avait pas sorti, à mon avis. C'est pas faux. Ce que je vais faire, c'est que je vais la menotter direct. Pour lieu du délit. Ah, bah non, j'ai pas de truc. Si. Pour mandat d'arrêt. Ah, ça marche pas. Il faut vraiment que je fasse d'abord le truc d'identité pour savoir si c'est elle. C'est con quand même parce que normalement. Enfin. Je sais que la police américaine, ils menottent d'abord. Hein. Alors du coup, bah, je vais quand même la fouiller, mais du coup, j'ai pas fait son contrôle d'identité. Je peux plus le faire. Ah oui, c'est bête.
Ouais, donc Parce que je pense que faut c'est vraiment important. faire d'abord le contrôle d'identité pour vérifier que c'est bien elle, quoi. Après, si sur la fouille, là, ça va. Oh, elle a rien. Arme de poing. Mais j'ai quand même moins 5. Ah ouais? Ouais. Ouais, y a un truc qu'on n'a pas fait dans mon sens, pas possible. Attends, je vais enlever les T'aurais menottes. dû lui parler d'abord en fait. Ouais. Et si, demander son. Ouais, c'est ce que je dis. Non, Mais qu'est-ce que tu fais? je lui enlève ses menottes pour pouvoir lui demander sa carte d'identité. Ah! Pardon. Enfin, j'espère. Ouais, demander la pièce d'identité. Ce truc fait à l'envers. Attendez, madame. Je vous enlève les menottes. Je Ouais, confirme que c'est vous. vérifie. Et ensuite, je vous les remets. Ah bah oui, parce qu'elle peut avoir une arme, en fait. Bah Du oui. moment que. Voilà, et là, elle a un port d'arme, ok. Ouais, mais bon. C'est bon, maintenant je peux la menotter. Donc je vous menotte parce que vous avez un mandat d'arrêt. Et j'ai re moins 5. Mais pourtant c'est un mandat d'arrêt ça. Ou Bon. alors c'est mettre pour port d'armes surtout. Je pourrais lui mettre Non, une balle dans la c'est tête pas juste bien. pour voir. Oh putain, il va faire mal. Je crois qu'on perd beaucoup de points. Bah, je pense que c'est un coup à perdre même son job, hein, tout court. Ah, parce qu'elle m'a saoulé. La mission, elle m'a saoulé. Ah, j'ai pas trop compris là, le principe de. C'est un mandat d'arrêt, je l'ai arrêté pour mandat d'arrêt. Mais et encore une fois, je suis pas sûr. Il y a marqué individu recherché, pardon. Ouais, mais individu recherché, c'est mandat d'arrêt dans le jeu en fait. Bah, ça se trouve, t'aurais dû la gauler pour port d'armes illégales, peut-être, je sais pas. Ah, ouais. Qu'elle avait un. Je crois qu'elle avait son permis de port d'armes en plus. Je vais vérifier. Ah non, elle avait pas de permis de port d'armes, mais tu vois, elle a un mandat d'arrêt, oui. Donc c'est bien ça, quoi. Bizarre. Bizarre. Le jeu n'est pas fini. D'ailleurs, il n'est pas en early access, contrairement à ce que je disais la dernière fois. Ah bon? En fait, il est sorti en juin. Et c'est, bah tu vois, l'update là qu'on a, c'est l'update 3, il y a la 4 qui arrive bientôt. Donc voilà, bon après les jeux de simu allemands en général, ils finissent très très loin d'être sortis, mais après avec les patchs, ils s'améliorent à chaque fois. Monsieur, il a 1 mètre, mais comme il y a le feu rouge, il va pas aller la chercher quoi. Voilà, t'as C'est vu, pas. il faut qu'il fasse 1 mètre de plus, voilà. Qui c'est qui a traversé illégalement? Lui là-bas. Hep, hep, hep. Ah non, tu vas pas me faire courir pendant 1 heure. Se barre. Hein. Vite, vite, avant qu'il sorte de la zone. Ah! Monsieur, ne sortez pas de la zone! Restez dans la zone! Restez avant les zèbres jaunes, sinon je peux plus vous interpeller, vous ne serez pas dans mon district. C'est comme les mecs qui s'enfuient au Mexique, Oui. ils vont dans le quartier suivant. Ils font 1 mètre et ils font hey, coucou! Oh là là, c'est pas sa carte d'identité ça? Je crois pas que c'est Ouais. une belle blonde. Ah ta gueule toi. Je pense que vous avez volé cette carte monsieur. Hein. Il regarde sans cesse aux alentours. Ouh là là. Bah constater une infraction. Non, il y a pas, hein. C'est pas une infraction ça. C'est vraiment un délit. Hein. Je vais le mettre en garde à vue. Ah, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Mettre en garde à vue pour correspondre au signalement. Ah oui, bah logique là pour le coup. Ah, par contre, là, j'ai pas de garde à vue pour pièce d'identité volée. Donc, je vais mettre menottes pour fausse pièce d'identité ou pièce d'identité volée. Si la photo d'une personne ne correspond pas à celle du propriétaire. Si l'ordinateur ne trouve pas les. Si la photo d'une personne. Bon. Ouais, c'était ça. Pièce d'identité volée. Encore une fois, hein. Le flair. Le flair de Non, mais c'est l'agent cool. Smith. Smith. Je vais le fouiller aussi. Parce que pourquoi pas. Je vais le palper, tiens. C'est à vous tout ça? Il porte un objet illégal, couteau à cran d'arrêt et couteau à cran d'arrêt. Deux du coup. Eh bien, on va faire une fouille alors. Penchez-vous, toussez fort. Ah bah encore un couteau d'arrêt. Deux autres. Il en a quatre des couteaux d'arrêt. Bon bah voilà, hein. On a fait un bon petit shift.
On n'a pas du tout fait un truc de vitesse, mais on a fait tout le reste. On a exploré toutes les possibilités. D'où qu'il est le poste? Oh, il est loin. Pouf. Bon, oui. Flemme. Je vais dormir dans la rue. Ramène-moi une bouteille de pinard dans un sac en papier et je vais me mettre dans le parc là. T'inquiète, j'y vais moi. Ce serait bien qu'on puisse voler des voitures. C'est la police, j'ai besoin de réquisitionner ce véhicule. Ah ouais. Et hop, juste pour rentrer au poste. Tu sors ta plaque et tout. Enfin bon, ta plaque. Oui, oui. Bien joué, Joe. Merci, John. Oh, mais c'est garé comme une merde. Attends. Attends, parce que lui il est vraiment. Ah, monsieur. Ah, merde. Il a déjà un ticket. Oui. Salut. Oui. Tu fais bien ton taf. Pas possible. Et tu continues à en faire en plus. Hein, tout en rentrant au poste. Ça, c'est vraiment l'abnégation du mec. Et encore. Tu veux vraiment des points, toi. Hein. J'ai perdu. Ah, mais moi, je. Les CP, j'en ai perdu 50. Ouais, t'es à moitié là. Tu as tapé la moitié de tes points. Moi, je suis à 90. Ah, il m'a le garé. Ah, putain, t'as déjà mis. M'en fous, y'en a un qui a traversé illégalement, je vais le choper. Elle part brise cassée là. Ah, t'as pas fait lui. Ah, il a pas brise cassée. Mais je croyais que tu pouvais non, rien tu faire. Peux là, pas, là. Non, tu peux pas. Ah, il me semblait. Bon, je vais lui mettre autre chose, appeler une dépanneuse. J'avais retenu, tu vois. M'en fous, j'appelle une. Ah, lui aussi, t'as déjà fait. Ah, t'as fait toute la rue en fait, ok. Non, j'ai pas fait toute la rue, mais disons que j'en ai fait quelques-uns. Ouais, c'est quasiment. J'ai optimisé le déplacement. Madame, vous avez des bugs dans votre robe traverse le banc. Vous avez des gros bugs. Est-ce que je pourrais avoir votre papier d'identité, s'il vous plaît? On a le droit de prendre le subway, je sais plus. Ah non. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur, à attendre dans la sortie subway là? Hein? Vous attendez des honnêtes gens pour les resquiller? C'est ça? Faites voir vos pupilles. Elles ont l'air bien dilatées. Fatigué, ton gars. Ça ne me dit rien qui vaille. Le poste est ouf. Par ici. Grille le feu devant moi. Incroyable. Les gens sont d'un irrespect. Dommage qu'il n'y ait pas la police dans cette ville. Tu vas même pas au poste, toi, disons. Non, parce qu'il y a un véhicule très bruyant. Ah oui. C'est vrai qu'il est très bruyant. Et donc, a priori, la personne est nerveuse. Et il est pâle comme un cul, je te raconte pas. 9ZG. S'il a pas 20 grammes de coke dans la tronche. Je crois que son truc est expiré. Janvier 2020. Sa plaque est expirée. Ok, donc déjà, sa première infraction. On n'a plus la date, mais c'est janvier 2020, donc je crois que c'est. C'est véhicule. Ouais, et ouais. Tu m'as dit. C'est plaque, hein. Plaque expirée, ouais. Alors ça déjà tu manges, voilà. Le moteur bruyant. Là il est garé sur un no parking, allez. Non, c'est... Je sais. Je le maintiens en joue si tu veux. Le mec il fait pas peur, c'est... Il y a son collègue qui arrive à côté de lui qui sort direct le gun. Ça va collègue? Pas de soucis? Tu me dis, hein, je suis là si jamais. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez quoi monsieur? Monsieur? L'autre il est passé entre nous. Non, deux, mais monsieur. Il sent vraiment triste. Attends, je lui mets la pression. Regarde, j'ai fait des. Je fais derrière lui comme ça, je fais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, t'es bugué là, hein? Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Oh, pas d'alcool. Mais par contre, il semble énervé tout à l'heure, donc je vais le fouiller. Enfin, je vais le. Ça sent la palper. Drogue ça. Je pense qu'il y a de la drogue. Mais... C'est un cocaïnoman. Je pense que c'est un cocaïnoman. Stiletto, clé de voiture. Arrête-le pour cocaïnomanie. Allez, test de dépistage de drogue. T'as mis un ticket à cette voiture? Oui, merde. Mais il a rien, mais c'est pas possible. Mm. Attends, le gars est nerveux, il a ni alcool ni drogue. Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre en tôle? Bah, en même temps, il y avait la plaque expirée déjà. Et puis le moteur bouillant. C'est à cause de ça qu'il sera nerveux? Ouais, c'est possible. Après, si vraiment il faut, je peux lui mettre un sac sur la tête, un baillon, et puis on le fout dans un fossé au désert du Nevada,
Et puis comme ça, on verra bien s'il y a des trucs à se reprocher, quoi. Après, c'est peut-être extrême, hein, je sais pas. Hein. Il semble très confiant. Bon, bah, ok, d'accord. Donc, c'était peut-être à cause de la... Oh, allez, je peux lui mettre une balle. Faudrait que je sauvegarde. C'est con parce que c'est un sauvegarde automatique, tu peux pas... J'avoue. Juste pour voir, tu vois, ce qui se passe si vraiment il y a une fusillade dans la ville et tout. Est-ce que si tu tombes à zéro en CP, t'es démis de tes fonctions, je sais pas. Oh putain, le bordel qu'il fait. Alors ça c'est pareil, hein, de pas pouvoir sauter au-dessus des... Ouais. Pas pouvoir sauter au-dessus des murs, ouais, c'est déstabilisant. Escape ne marche pas. Je marche, non, je marche pas. Si je marche, non, je marche pas. Allez, je marche. Salut Jessie. Salut Jessie. Un chou, moi. Chou. Non, ça c'est là. Minecraft. Ça c'est Johnson, il joue à Minecraft toute la journée. Oh, con. Il est marrant, mais il est con. Bon, très belle patrouille. Très belle patrouille avec moins 50. Écoute, en fait ça te fait 50% de... Ah, mais... moins 25. Ah non, ça t'enlève pas les trucs comme ça. Non, je sais pas ce que ça va. Ah, on a débloqué. Oh, on a débloqué le SUV. Ouh là là. Gladiator 6. Le fameux. Oh, vivement qu'on puisse modeler les véhicules. 2008 modèle. Ça, c'est un Chevrolet Tahoe, je suppose. C'est basé là-dessus. Qui est la police de New York. Eh ouais, et un nouveau district. Attends. Si, t'as raison. On avait quoi, Jefferson? Ouais, on avait Jefferson et maintenant on a le quartier financier de Callahan. Callahan. Alors, Callahan. Bon, on fait encore ça là? Allez. En plus, en voiture, avec la nouvelle. Ah, oh, j'ai vraiment envie de bien jouer cette fois. Pas faire de la merde. Ouais, bah dis ça pour toi. Hein. Ouais, je sais. Très non, on va pas aller jusque là. Ah, si. Non, salut Jessie. Non. Les mecs sont en train de discuter, ils passent devant. C'est Jessie. Non, vraiment. Si, non mais. Par contre, je sais pas où est garé. C'est Jessie. Le véhicule. Ah, il est là. Ah, il y a les deux véhicules du coup. Ah, mais peut-être qu'on peut prendre les deux véhicules. J'ai couru avant toi pour le conduire. Hop oh là. Non, mais je voulais le voir. Hey. Mais je suis en stream, moi. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les 1 visiteur qu'on a depuis à peu près 2 heures. Je peux pas rentrer dans la voiture. Non, mais Vas-y, mais il faut avancer, mais je peux juste pas rentrer. Mais vas-y, prends-le, t'as raison. Il va falloir que j'avance parce que tu pourras pas. Oui. Alors je crois que c'est 4 pour les phares, ouais. Allez, c'est Tipar. Donner une contravention pour stationnement. Non, on peut pas faire ça en voiture quand même. On se met là et on vise les gens. Ben on va patrouille. Allez patrouille. Ouh, fais un beau bruit. Elle en a sous le capot la petite. Un peu trop. Il met son clignotant lui. Très bien. C'est très bien ce que vous venez de faire. C'est très bien ce que je viens de voir. Ouais. 10 points pour Gryffondor. Je crois qu'il a un phare manquant lui devant là. Oui, correct. Et ben on va le blip. Et on va attendre qu'il s'arrête. Ah non, il a réussi à trouver une place de parking en premier. Il est considéré comme arrêté. Attends, non, je pense que tout le monde doit avancer là. Ah parce qu'il a marqué il a réussi, mais non. Oui, en fait quand il a réussi c'est qu'il signale qu'il va aller se garer. Ah d'accord, ouais. Ça, j'ai compris ça tout à l'heure à pied là. Bien joué. Voilà, donc là il va avancer et normalement il va aller trouver une dès place. Dès qu'il va trouver une place. Ouais. Là? Non. Ah oui, bah il faudrait que le monsieur d'avant. Quoi, c'est à cause de mes phares? Oui, c'est ça. Ok. Ouh, il est bourré celui à gauche là. Si tu veux le prendre. Gauche? Lui il est celui qui est juste à ma gauche là. Il roule n'importe comment. Vas-y, va le pécho. Je m'occupe de l'autre. Hop là, on a déjà regardé la plaque. Ce véhicule avait fait position arrière défaillant. Oui, bon, ça j'ai vu. Hoon 262. Bonjour, bonsoir monsieur. Non, mais le problème de ce quartier, c'est qu'il n'y a vraiment pas de place quoi. Je veux dire, avec des parkings. Donc le gars, il va se garer à l'autre bout de la rue. Ah ouais, mais tout à l'heure, j'ai couru après pendant une heure.
Ah, bah non, j'en ai on est tous les deux en intervention là. C'est bon. Infraction du véhicule, position de... Eh oui, madame. Surtout qu'il fait nuit là. Et donc, du coup, c'est quoi votre problème? La meuf, elle me répond, c'est quoi votre problème? Je viens de vous l'expliquer, c'est quoi le problème. Alors, déjà, c'est vrai qu'en Amérique, on a le droit d'insulter les flics, j'ai oublié. Ah ouais? Ouais, c'est dans la loi. Tu as le droit de les insulter. Ça veut dire, non mais en fait, ils peuvent pas t'arrêter. C'est ça, c'est ouais. Pas un motif. Non. 15 juin 2022, Elimon, ouais. Ça m'a l'air pas dégueu. Ok, une, deux, six, deux, c'est bon. Alors tout est bon avec vos papiers. Malheureusement, vous venez me parler de manière assez désagréable. Et en plus, vous semblez un peu nerveuse. Donc je vais juste vous demander de sortir du véhicule. Et évitez de me répondre aussi pour ça. Sinon, ça va mal se mettre. Oh, elle marche normalement là ? Ouais, si, ouais, ça a l'air. Ok, alors, madame. Déjà, on parle à la police sur un autre ton. Deuxièmement, on va faire un petit dépistage alcoolémie. Ce qui expliquerait peut-être cela. Non, 0.004, c'est dur. Bon. Là, il me faudra un feu rouge pour le coup. Bon, bah du coup, je vais constater une infraction seulement. Pour défaillance du feu de position. J'allais vous mettre un avertissement verbal, mais vu que vous m'avez mal parlé. Ah bah. Du coup, il y a eu un accident. Parfait, je sais qui est fautif. Voilà. Allez, vous pouvez partir. Je dois m'occuper de mon collègue qui est à pied depuis tout à l'heure. Où est-ce qu'il est parti, le collègue ? Il va falloir que je retrouve où il est parti. Ouais, il n'y a pas d'outil, il est bourré. C'est une petite rue, ici. Ah, c'est vraiment le quartier le Financial District, comme c'est écrit. Ça se voit. Allez, soufflez dans le tuyau, 0167. Vous êtes largement dessus, monsieur. On va demander la pièce d'identité également. Est-ce que tu as pris les photos de la scène de crime? Pas encore, je te laisse faire le travail de ta chère collègue. Eh bah du coup, je m'en vais. Il y a quoi? Il y a trois véhicules? Non, il y en a deux là. Dans deux. Ok, carte d'identité expirée. Sa carte d'identité a expiré. Donc tu as vu, c'est une très belle Ford en tout cas, tu as vu l'accident se produire? Oui. C'est pas vrai. Date de validité expirée, ok. Pas pour info en plus qu'il est... Mais il y a une voiture cramée là à gauche, à droite ou quoi? Elle est complètement flinguée cette voiture garée là. Alors je pense que pour les photos c'est bon. As-tu discuté avec la dame? Juste en termes de témoignage, j'ai pas fait le reste, j'ai pas demandé. Alors on va quand même lui faire un petit. Alors je vais quand même prendre la pièce d'identité. Il a carrément un shuriken et un yo-yo sur lui. D'accord. Non, on est déjà en intervention, désolé, dispatch. Carte d'identité expirée aussi, allez. Ouais, ça c'est fait. Eh bah dis donc. Pas votre journée. Elle semble avoir peur. Bah tu m'étonnes. Carte d'identité expirée. Eh merde, j'ai déjà demandé. Là. Je suis con. Pas ça que je voulais faire. Oui, je sais. Ta carte d'identité expirée. Je vous la re-rends. C'est. Quand ils sont surpris dans l'alcool, qu'est-ce qu'on peut fouiller déjà dans la voiture? Alors l'alcool, rien normalement, c'est la drogue. T'as pris toutes les photos. Merde, oh, je me suis trompé, je réfléchis à autre chose. Je voulais lui mettre un ticket, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bon, je peux quand même constater une infraction. T'as pris toutes les photos? Ouais. Ok.
lui, je peux lui faire bouger sa voiture. C'était pièce d'identité périmée, je crois. Bah oui, bon, ça aurait été moins cher de la renouveler. Alors, elle semblait apeurée, je crois, mais du coup, je vais quand même faire un test de dépistage. Hein. Ah mais oui, je peux faire un narcotique aussi, j'ai oublié. Mais je peux plus. Elle a zéro en alcoolémie, je vais faire un narcotique. Même si elle s'est fait rentrer dedans, clairement, je pense. THC, ok, elle a rien du tout. Bon, c'est bon pour elle, hein. Elle est clean. En progression, on a presque tout, mais c'est juste parce qu'à mon avis, je l'ai pas fouillé, mais j'ai vraiment aucune raison de la fouiller. Donc moi, je vais la laisser partir. Non. Ok, elle peut repartir avec sa voiture, y a pas de souci. Lui, tu l'as arrêté, l'autre? Oui, il est arrêté, il y a la dépanneuse qui vient pour ça là. Ok, j'arrive alors. On va s'occuper du... des trucs là. Ouais. Ok, c'est bon. Derrière nous. Vas-y. Par là, peut-être. Non, ouais, ça va être long. C'est vraiment à l'autre bout de downtown. Ah, c'est dans un autre quartier. Pousse bien cette petite bagnole là. Oh vache. J'étais dans le menu, je voyais pas. Ah, t'as loupé la... Ouais, je pense qu'ils prennent pas en considération les excès de vitesse et tout ça. Hein. Alors si, quand t'es pas en intervention. Bah regarde, je suis pas en intervention là. Ah bah, il risque d'y avoir des points perdus, je pense. Bah... Faut juste que tu mettes tes phares en fait. T'es gyro. Hein. Par contre, ça fait 3 fois que tu loupes la sortie à gauche, donc va falloir y aller au bout d'un moment. Mais non, je suis le truc rouge, moi, ah, la ligne rouge. Ah ouais, mais la ligne rouge, elle s'est mise à jour, mais c'était vraiment pas par là. Hein. Moi, je suis sur la carte, là. Ah bon, d'accord. Ah, hop, le devant. Ouh là là, ouh là là. Ah, ça va à droite. Des années de maîtrise. Ça se voit pas du tout. Putain, merde. On doit pas être bien loin là, c'est devant. Eh ben voilà. Oui. Oula, je sais pas ce qu'on va dire au capitaine, mais. Ce sera de sa faute. On dira que c'est de la faute du gars. Exactement. À droite. Oui, bon. Là, à droite. Ah. On va se mettre un peu plus loin. Okay. Alors faut pas se mettre sur les places jaunes, ouais, qui sont foutues. Ouais, on va se mettre là. Voilà, en double sens, parce qu'on est des enfoirés. On et fait devant. Ce qu'on veut. Ah bah oui, mais je peux pas sortir du coup. Oh bah merde, bon bah tant pis. Oh, la vitesse qui vient de passer lui, c'est con que j'avais pas le truc sorti. Oh là, il avait tout lui. Le moteur qui faisait du bruit, la vitesse et un phare défaillant. Dommage, on aurait fait notre quota de la journée. Là. C'est clair. Bon. Je te laisse gérer la première qui va arriver. Parce que je fais juste un alt-tab pour regarder un truc. Hop. Là, sur le panneau d'affichage, il y a driver's license, checkpoint ahead. Ah ouais? Oh, j'ai pas eu. Il précise. La précision est folle. Du coup, tu crois qu'on peut piquer les bagnoles des collègues? Non, j'ai essayé tout à l'heure. Évidemment. J'ai évidemment tenté le coup. C'est le premier truc qui m'a intéressé. Et ça n'a pas marché. Bien, bien. Donc, personne n'a envie de passer par là. Super. Tada. Non, 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 au travail. Je crois pas que c'est ça sert à ça. Non. Tac et tac. Bon, c'est pas qu'on se fait chier les mecs là, mais s'il y a une bagnole qui pouvait personne qui passe dans ce passer dans le coin, ce serait plutôt sympa. C'est con de faire un truc comme ça, mais. Ouais. Puis c'est surtout bête que l'IA pense pas envoyer des bagnoles à ce moment-là, quoi. Enfin...
Oui, voilà. Et puis c'est surtout, même en termes RP, je dirais, c'est con que le capitaine ait décidé le seul endroit où il n'y a aucune voiture qui passe, quoi, pour faire C'est des clair. contrôles. Une dame qui court, qui fait son jogging. Tiens, on va arrêter les gens à la terrasse là. Stop! Arrêtez-vous! C'est incroyable ça! C'est incroyable d'y avoir aussi peu de monde. Enfin quoi? Enfin quoi? Cette femme vient d'abandonner ses déchets. Bah écoute, en attendant, elle est où cette dame? Où cette dinde? Excuse-moi la dinde. Oui, c'est à toi que je parle. Oui, je sais, monsieur. Je suis de la police, ok? J'ai tous les Allez, droits. Attends, je crois qu'il y a une voiture qui arrive. Non. Il y a moyen que je détourne les voitures au bout là. Je me mets au feu et je leur j'avoue. dis qu'ils sont obligés de tourner à gauche. Ah si, tente ta chance, on sait jamais. Là là, en plus il y en a plein qui fument et tout. Oh là, chier. La route est coupée par là. Il n'y avait vraiment personne sur la rue, quoi. C'est vraiment, j'ai jamais vu une rue aussi morte. En contresens déjà. Nom de Dieu. Ouais, forcément, oui. Forcément, ça n'a aucune utilité ce que je fais parce qu'il y a un feu. Donc les voitures ne vont pas vite. Ah, il y en a un qui arrive, mon gars. Oui, je l'ai. Ah, si Pour dire j'arrive. celui-là, je vais me régaler. Pour une Salut fois que j'en ai toi. un. Allez hop. Direct. Allez. T'as donné un petit coup de tutut là, d'un sifflet. Il est très mal garé lui quand même. Je sais pas si c'est autorisé de se garer là, mais enfin bon. Bonjour, petite dame. Ce véhicule a grillé un feu rouge, parfait. En plus, alors que tu l'as pas vu, c'était il y a 4 km. Mais heureusement que Infraction ta 70, super respect du feu intuition, rouge. ta super intuition de flic, t'as dit qu'elle avait grillé un feu rouge en 1947. Ah, c'est ça, tes souris. Ah, tu vas sortir de ta voiture. Elle semble très confiante. Ouais, Ah. t'es souris, mais n'empêche, tu vas te foutre à poil et tu vas sortir de la voiture. Veux rien Allez, savoir. les deux mains sur le Allez. capot, à poil, les deux mains sur le capot. C'est C'est vraiment clair. les. Grand Guantanamo, quoi. Je pensais pas forcément. Non, mais excusez-moi, madame. Quand on vous arrête, vous passez pas votre temps au téléphone. Est-ce que vous Ah avez oui, une non, ça c'est très identité? désagréable. Tout à l'heure j'en ai une comme ça. Ah, déjà, pièce d'identité, on sait. Je vais fouiller sa voiture pendant que t'es en train de là. Je vais lui sortir tous les trucs de la voiture. Je check sa voiture vite Voilà, fait. défaut d'assurance. Ah non, j'ai rien dit. Ouais, elle a grillé un feu rouge. Alors, Eh, ce serait bien qu'il y ait une voiture qui arrive en fait, juste pour que je fasse quelque chose dans le jeu. ce serait cool. Ah, date d'expiration de l'assurance. Il n'y a vraiment aucun véhicule. Ah, tu t'y attendais pas, ma grande. Allez. Donc, non seulement t'as l'assurance. Conducteur. Défaut d'assurance. Avertissement verbal parce que là, je suis de bonne humeur. Par contre, ma cocotte. Le feu rouge, je vais te dire. Pas de laisser passer celui-là. Non, ça c'est clair. Ah, je crois que 31 c'est beaucoup par rapport à cette route là. Yes! J'ai réussi à faire au moins un contrôle radar. Allez, un petit test d'alcoolémie. Bon, bah je pense que c'est vraiment. On est tombé dans un traquenard. Ah. Ah bah là. Je vais te dire. Vas-y, dis-moi, ouais. Ça a l'air moins chiant que le truc qu'on est J'arrive. en train de faire. Allez, c'est bon. Là, tu me fous le camp, je veux plus le voir. Et évidemment, il y a des voitures qui passent notre barrage là quand il n'y a plus. Non, mais ça, c'est toujours comme ça. Et c'est quoi d'ailleurs qu'on doit faire là? Ah, Accident accident grave. grave, d'accord. Trois véhicules donc. J'espère qu'il y aura moins de morts. Oh! Là là. Oui, j'ai vu l'ralentissement. Ouais. Oui, bah, vous plaindrez au poste, hein. Ça, par contre, tu te gardes tes 100 points, toi. Ah, il y a un truc qui Ah, m'échappe. bah, bah j'étais en intervention. Quand t'es en C'est très intervention, très tu. pratique quand même. Faudrait qu'on se retrouve une dans la vraie vie. Aïe. Mais ils sont cons aussi, ils me laissent pas passer.
Comment veux-tu que je fasse? Bon, après, pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas les mains sur le volant, sachez vraiment que la conduite est exécrable dans ce jeu. Il n'y a vraiment aucun moteur physique. Je peux même pas dire que c'est réaliste, parce qu'en vrai, par exemple dans GTA, je l'avais modé pour avoir un moteur physique réaliste, donc qui était très compliqué, c'est-à-dire que tu pouvais pas rouler n'importe comment comme un gland, tu vois. C'était pas arcade du tout. Mais là, c'est vraiment, non seulement c'est pas arcade, mais en plus c'est un peu trop caisse à savon. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? La voiture se barre. Ouais. Arrête-toi. Bah, il y a carrément un pot d'échappement par terre. Bonjour messieurs dames. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh, vous êtes jumelles ou quoi? Je me remets d'accident. Ok. C'est pas très intéressant du coup. Eh bien, je vais quand même vous demander votre carte d'identité, hein. Sion, c'est un peu mon métier, j'ai pas forcément envie, mais en fond. Vous savez, c'est pas tous les jours facile d'être numéro de téléphone aussi, ma petite dame. Et le numéro de votre sœur, là, juste à côté. Sa carte d'identité est expirée. Richardson Madison. C'est pas un nom, franchement. Ah zut, j'ai oublié de regarder ça. Bon, tant pis. Tant pis. Hop, carte d'identité expirée déjà. C'est déjà suffisant là. Parce que vous avez eu un accident, donc je vais pas vous rajouter ça, mais enfin bon. Attendez. Je vais aller voir votre sœur. J'ai peut-être oublié de mettre mon clignotant. Bah oui, même sur le taxi là. Ah, c'était ça. Alors. Oh, ce serait étonnant qu'un taxi fasse un. Ah bah elle aussi, elle a dit ça aussi, j'ai peut-être oublié de mettre mon clignotant. Ah ah. Alors. Bon, bah, petit. Oui, l'air bois surtout. Ah, wow. Il a l'air complètement foncé le mec. Ah. Moi, ça va pour l'instant. ça s'est pas expiré. Ça sent l'alcool. Oh, sans blague. Moi, ça a l'air d'aller. Je vais quand même faire des tests. Hein. Statut d'enregistrement. Ah, statut d'enregistrement invalide. Statut de l'assurance invalide. Alors, toi, mon gars. Ah, donc c'est la plaque. Et... Ah, elle conduisait sous l'influence de l'alcool. Et puis, pas mal. Hein. Et ben voilà. On a tout trouvé. Faut faire un petit dépistage de drogue aussi, on sait jamais. Ce serait dommage de passer à côté. Non, ça va. Ok. Donc du coup, menottage. Non, je sais plus ce que j'ai dit du coup. Quel nœud? Il est bourré. Et non, ah, les deux, plaque d'immatriculation et assurance. Non, c'est assurance et statut d'enregistrement. Oui, c'est la plaque d'immatriculation. Ah d'accord, ok, pardon. Enfin, je pense, hein, c'est le deuxième qui est à droite dans les véhicules. Conduite en état d'ébriété. Oh, elle dit oui, c'est marrant, elle a fait un petit mouvement de tête, genre ouais, non, j'avoue, j'étais complètement bourré. pas please no quoi, please no. Non, pas please no. Je vois pas. Mais non, oh, moi aussi j'ai fait le rapport d'accident. Ah oui, hein. Oh, ça m'énerve. Alors qu'on était pas. C'est pas grave parce que je les ai pas moi. Oui, mais bon. Je pense qu'on peut quand même continuer en fait. Elle c'est bon, elle a rien. Et je pense qu'en narco ça va être zéro aussi. Donc elle va pouvoir repartir. Enfin, avec la voiture qu'elle a, à mon avis, non. Elle a quand même une épave. Attends, je vais vérifier qu'elle a pas une épave. Ah, si, ils ont tous des épaves. Ouais, ça c'est une épave. Elle peut repartir. Mais déjà, il va falloir bouger cette bagnole. Et vous? Bah elle, je vais faire un procès verbal parce qu'on a tout. Waouh, il est super complet. Waouh, monsieur. Je vous en prie, pour l'assurance, ce sera très pratique. Foutez-moi le camp maintenant. Allez, dégage-moi de là.
Je vais bouger ma voiture parce que sinon la dépanneuse va jamais venir. Lui, c'est bon, j'ai déjà dépanné. Ok. Et elle est où celle? C'est Manu qui est derrière. Et donc elle, elle va aller en zonzon. Ah, t'as bougé la voiture? Ouais. Ouais, parce que ça bouge plus. Ils sont un peu, c'est un peu des glands quoi. Parce qu'ils sont, ils sont capables de passer à côté de la. De la voiture accidentée, mais pas de la voiture de police qui est garée devant la voiture accidentée. C'est sûr. Ah bah, il y a des voitures qui bougent plus là. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, monsieur, faut avancer maintenant. Ah là 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 là. Puis bien sûr, personne ne peut passer à droite. Ah, il est en warning. Bah oui. Dégage. Attends, si je fais un coup de panneau. Non, moi j'allais enlever les pimpons de la voiture, mais c'est même pas ça. Non, ils y sont plus. Chercher une place pour se garer, ouais, moi je crois que c'est foutu. Ah, déjà, ah bah. Viens chercher le mec, c'est déjà pas mal. La gonzesse d'abord. Ouais. Bon allez monsieur, nous on a un shift à finir là, faut bouger. Vous emmerdez tout le monde là. Il y a deux dépanneuses derrière vous monsieur, vous emmerdez tout le monde. En plus il y a une dépanneuse, elle a un phare qui est cassé. Je vais y mettre un PV. Arrêtez-vous. S'il vous plaît. Ouais, ça c'est un peu débile parce que ça fout en l'air des points inutilement. Oh, quoique peut-être que si on se barre de la mission, on va voir les... Ah bah tiens. La voilà. Dépop. Ça c'est quand même pas si mal au final. C'est bien. Ils vont venir nous chercher tous les trucs là. Comme ça le transport il pourra partir aussi. Mais le transport du prisonnier est déjà parti, non? Ah non, il est juste non, derrière. Non, il attend. Vous attendez là monsieur hein. Tiens, on va pas rentrer, lui, ma gare est... Enfin, hop. Stationnement. Voilà, c'est bon. Bah non, maintenant il est bloqué par celle-là. Allez, elle part. Maintenant il y a l'autre qui arrive derrière. Voilà. Tu vas m'embarquer ça. Comme ça, lui il va pouvoir se barrer. Et le transport de l'autre, je sais pas où il est. Hein. Moi j'en sais rien. Peut-être le même qui va prendre les deux. Tu m'étonnerais. Oh, ces magnifiques arbres tout en polymère. C'est des petits bugs d'affichage, je pense. Légèrement, ouais. Ah, le Pity il s'est barré. Le tow truck il se barre aussi. Mais il manque un Pity pour lui. Attends, est-ce que je l'ai fait? Ah voilà. Je l'ai pas fait. Parfait. Pour ça, on peut toujours attendre. Nickel. Ordinateur de la police. Ouh, ouh. Ouais. C'est la carte d'identité expirée. De qui? Bah, je vois. Ah, lui? Bientôt l'heure de rentrer à la maison. Hein. On va se prendre un burger, mais je sais plus où il est. Bon, on va essayer de retrouver la H-Barak. Je me ping, ok. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un. Ok. Bizarre. Je pense pas que c'était ça. Bon, c'était une bien belle soirée. Corps.
Coup et blessure. Allez, vas-y. Attention devant. On va se mettre en code 3. Oh bah c'est pas loin. Oula, t'étais à deux doigts d'écraser. Non, mais non, t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je fais. Oui, oui, oui. Ça se voit que tu maîtrises. Bonjour monsieur dame. Ah, j'aurais peut-être dû d'abord m'occuper des blessés. Ah, super. Il a les mains tuméfiées. Bon bah c'est lui. Est-ce qu'il s'appelle William Howard? S'il a une tête de gland, oui, c'est lui. Monsieur, bonjour. Alors, mettre en garde à vue pour correspond au signalement. Voilà. What? What? Et du coup, maintenant que c'est fait, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Me noter? Maintenant que j'ai vérifié ses antécédents. Mandat d'arrêt. Mais non, c'est pas un mandat d'arrêt. Enfin, je sais pas. Attends. Attends. Ah, je vais le fouiller. Je vais le fouiller. Ouais, déjà. Je vais le palper. Il a un shuriken. Du coup, je vais le menoter. Pour. Lieu du délit, coup et blessure. Les photos, ça sert à quelque chose, non? Non, non, je regardais, mais il n'y a rien de signé par terre. T'as appelé les l'ambulance, ouais. Normalement, oui. Ok. Ah bah non, je croyais qu'il fallait une seule ambulance, ça suffisait. Ouais, non, non. Je vais le fouiller en plus. Ouais, bah j'ai une toupie, j'ai un hand spinner et un shuriken. Je pense qu'on peut le coffrer pour le hand spinner minimum. Ah, je crois. Et ça part en garde à vue. Voilà. Bah vous pouvez y aller du coup. Et bah voilà. Bon, j'espère que c'est bon. Ok. Ah bah voilà, le PT est déjà là. Allez, gardez la santé, hein. Allez, bonne soirée, hein. Je sais pas. Bah on a pas beaucoup là des... Bon, il y en a qui est là. Tout de suite à droite. Y a bon, ça fait du bien d'être à la maison. Bon, y a John Kilgara. Et ouais, c'était une bien belle soirée encore une fois. Il sait pas du tout là où il faut aller. Parti dans l'autre sens. Ah, j'ai hâte de voir si on a débloqué un petit truc là. Bonsoir Jessie. Alors, est-ce qu'on a débloqué quelque chose? Je pense que oui. Oh quoi. J'espère. Que. On a pas fait beaucoup. Si on a fait quand même des points avec le truc là. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mais c'est bien. Moi j'ai gagné un niveau aussi. Tiens. Un étoile, vandalisme par graffiti, on aura. Et Callahan, des nouveaux quartiers. Ah, Callahan. Très bien. Et ben, c'est sur cette belle mission que s'achève notre shift du soir. Qui fut... Ouais, c'était sympa. Bah, très agréable. D'avoir une nouvelle mission. Ouais, carrément. Ça, c'est cool. Permet quand même de... agrémenter un petit peu cette patrouille, hein, avec, ouais. Avec mon cher collègue. Franchement, c'était cool. Je pense que là, on va avoir arrestation de trafiquants de drogue, ça pourrait être cool. Bon, après, je pense que c'est comme les trucs d'arrestation qu'on a, mais en différent, juste il y a un autre nom, quoi. Mais ouais, je pense aussi. Ouais. Après, c'est sûr que
À long terme, bon, est-ce que si suivent les mises à jour, s'ils font suivre Bah, il y a l'air d'en le avoir pas jeu, mal, qu'il y a hein. de la mise à jour, etc. Bon, why not, comme tu dis, l'ouverture des modes permettra quand même Ouais, ça ouais. de faire des choses sympas. Là, le quartier, on est loin d'avoir. Là, on a juste débloqué un quartier, mais il en reste encore deux des districts dans le quartier où on est là. Ouais. Donc ça va être encore grand. Et après, il y a l'autre district du sud là, et t'as 1, 2, 3, 4, 5 quartiers aussi. Donc ouais, il y a encore pas mal de choses. Hein. Ouais, je suis en train de regarder, ouais, il y en a encore pas mal, hein, c'est pas mal. Je pense Il y a de quoi il y a faire. de la marge, ouais. Il y a de quoi faire. Ouais, non mais moi j'aime bien et j'aime bien et vraiment, je sais pas la date malheureusement de quand sortira l'update numéro 5 là, mais waouh, si vraiment tu peux du. Après le modding, je pense que le modding que eux ils prévoient c'est, en gros c'est tu peux Du skin. modifier, ouais tu peux modifier en fait le nom et la tête de ton personnage, ce que tu peux pas faire pour l'instant. Ouais. Et tu peux modifier alors ta voiture, je sais pas, ils disent modding de voiture, mais peut-être, je sais pas, choisir quelle voiture. DOS et tout. Oui, peut-être. À la Need for Speed. Ouais, c'est possible. Non, mais peut-être, ouais, peut-être. Bah, par exemple, dans GTA, tu pouvais modifier dans LSPDFR, là, tu pouvais mettre des antennes ou pas, tu pouvais mettre Ah un ouais. pare-buffle devant, enfin, des trucs vite fait, mais pas énormes, tu vois. Tu pouvais customiser pour avoir un véhicule plutôt. Canine, donc tu sais, les chiens renifleurs, ou plutôt un véhicule de highway patrol, donc c'était plus un véhicule avec le radar dessus et tout ça. Alors que le canine, c'était celui avec à l'arrière, t'avais un truc anti-drogue, t'avais les chiens, les machins, tu vois. Donc je sais pas, peut-être que ce sera des trucs comme ça, ce serait cool. À voir, S'ils ont à voir. besoin d'idées, Astragon, si vous N'hésite m'écoutez, pas à nous appeler. voilà, n'hésitez pas, je suis là. Des idées, on en a plein. Ouais, c'est le talent qu'on n'a pas. Oui. Donc voilà, bah voilà, hein, je pense que je ferai un petit best-of. Alors je verrai si je fais un best-of des deux épisodes, ou peut-être que je ferai un best-of entier des deux, je sais pas. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit best-of avec les 4 heures de live qu'on a fait là. Il y a quand même des. Rien que la voiture qui part dans le ZEF et qui atterrit dans une maison, ça peut être rigolo. Oui, ça c'est. Je m'en remets pas. Va falloir le Je ne m'en clipper, remets je pas. vais essayer de le clipper parce que. Mais ouais. Donc je pense que ça va se rejouer. Ça va se rejouer un petit peu ça. Il y a encore plein Avec de trucs qu'on n'a plaisir. pas fait. Non, c'est clair. Ah, Brighton, ouais, c'est bizarre. Ah, on est vraiment dans un autre district là et on peut plus sortir de ce district. Je regarde comment on fait pour sortir de ce district. Pour sortir de ce merdier. Ouais, parce que là on a changé de district du coup. C'est emmerdant. Allez, des bisous aux viewers. Et on se retrouve la prochaine fois. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Bien belle soirée. Une bien belle soirée. À bientôt. À bientôt.